Ouais. Et c'est la suite de ce fameux let's play en direction de l'hôpital. Le meilleur chirurgien de Seattle. Avec le petit lèvre, regardez-le. Le petit Scars là. Et comment il s'appelle? Ah, c'est parti. Ça, Owen. Ça fait plaisir. Owen. Abby. On dirait un lèvre. Abby. Owen. Oui, c'est nos prénoms, c'est comme ça qu'on s'appelle. Est-ce qu'on peut faire une petite nage peut-être? Petite nage dans les égouts là. Je suis sûr qu'il y a un petit truc à faire. On va pas me la faire à moi. On vient de commencer, t'inquiète pas si tu viens d'arriver mon petit. Regardez, je suis sûr qu'il y a un petit truc là. 100%. 100%. Regarde bien, regarde bien. Y'a rien? Non. Quelques heures seulement. Il paraît bizarre. Ok. Ouais, même pas un petit trésor, un petit truc, un petit pouic-pouic. Une petite munition, un petit plaisir. Ah non, y'a rien. Ok. Bon bah j'ai fait ça pour rien, c'était super. Bon petit moment passé dans les égouts. Allez, let's go. En plus, on va passer sur les petites passerelles de Scars là. J'ai hâte de voir un peu ce que ça donne. Ah, ça fait plaisir d'être de retour là. Et par contre... Ça va être terrible quand je vais finir le let's play. Quand on va arriver à la fin. Bon, il y aura la ranquette de Valorant et le tournoi Call of. Ça va manquer un petit peu ces aventures quand même. J'espère qu'on n'est pas trop sur la fin. Allez. Alors on va faire le petit tour des munitions. C'est un petit peu la hesse. Ouais, c'est vraiment pas ouf les munitions. C'est vrai qu'on s'est bien battu là dernièrement. Oh, Marcel! Et merci, je suis tombé dessus par hasard en plus, hein. Je suis pas censé le voir. Merci beaucoup Marcel, ça fait plaisir. Des 10 subs offerts. De toute façon, je regarderai après le live, hein, vous inquiétez pas. Pour ceux qui sub. Le voilà. Ok, pas ça. Il va pas nous faire passer par. C'est l'immeuble, on dirait. Okay, c'est ça leur voir. Passerelle. Non, c'est l'hôpital ça. Ou c'est son passage secret, soi-disant. Qu'est-ce qui se passera si on récupère pas le matériel pour ton ami? Eh ben... Il faudra qu'elle essaie de l'opérer avec Scowen là sous la main. Ce serait... Oh, regardez là-bas. Ce serait pas l'idée. Allez, le petit barbershop. Si on récupère le matos... Ouais. Voilà, c'est sûr qu'on va trouver des petits ciseaux. Des petites cisailles. Hop. Qu'est-ce qu'on a vous ici? Vous savez que nos chiens savaient jouer aux cartes aussi. J'ai 13 ans. Regardez cette image. T'as la taille d'un gamin de 8 ans. Et les gens me trouvent drôle d'habitude. Oh, ça clash! Il clash le petit, calme-toi! Syndrome des lions. C'est quand trop de pression s'accumule dans le muscle pour s'en circuler correctement. Putain, c'est stylé ici! Oh! Un genre attends. De peau. On va passer par là. Où est-ce qu'il est? Il est là. Allez, suis-moi, petit bonhomme! Il fait passer par ces endroits aussi, lui. Oh, poule, poule, poule! Merde! Déjà que j'ai pas beaucoup de balles. Mal fait ce jeu! Bon, bah, j'ai perdu une balle, tant pis. C'est le risque. Par où je dois passer là? Ok. Oula, waouh, 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 waouh! Ah ouais, on se fait emporter par le courant. Vous pensez que je perds de la vie si je le fais? Moi j'aime bien les rapides, j'ai quand même envie d'essayer. On tente ou pas? C'est le début, on en profite, on peut faire des conneries. Wouhou! Ouais! Oh, bon, elle s'est accrochée, no fun. Non. Non, je m'amuse. Moi j'aime bien les rapides. Il y a peut-être des trucs à explorer hein, que j'ai pas regardé. Ok. Bon, y'a rien visiblement. C'est une fille? Non, c'est un garçon ça, non? Je pensais que c'est une fille. Ah, j'ai pas fait gaffe. Bon, on peut pas trop savoir hein. Bon, essayons de voir si on peut grimper là-haut. En vrai, moi, c'est une fille ou un garçon? T'es déjà moi, allé pour moi, c'est un garçon. Ouais. Coque lève, ouais, on va me voit un peu. Ah, je sais pas. C'est un garçon, hein, ça vaut. Si on en croise, tu pourras gérer. Un garçon ou une fille? J'ai géré. Ouais, mais c'est le type de pourchasser. Ah, dans le chat, c'est mitigé, hein. Garçon? Peut-être c'est les deux. Allez, on va dire que c'est les deux, comme ça, c'est réglé. Je sais pas, on va découvrir.
Faudra regarder dans son dans ses phrases l'orthographe s'il ajoute un E. C'est un garçon, bah oui, c'est le chat qui me dit oh c'est une fille, gna gna. Encore il fait qu'info ça. Alors. À mon avis, on va tomber sur de l'infecté. Une petite note? Ouais. Alors, sauvez-moi par pitié. Envoyez-moi n'importe qui, un wolf, un séraphite ou autre, je m'en fous. Je ferai tout ce que vous voudrez. Je me balafrerai, je descendrai des connards de la Fedra, j'en ai rien à foutre. Je veux pas crever ici, je vous en prie, aidez-moi. S'ils me trouvent, ils vont me tailler en pièces. C'est pro. Il y en a un qui panique, hein. Il y a une trace de frein dans le slip. Un lâche. Il est prêt à rejoindre n'importe quelle faction. Ça, c'est pas bon. Ouais, moi, je suis plus team garçon. Moi, c'est team garçon, je pense. Hop. Oh, c'est gaffe, vous perdre. Et ça l'aide d'être un sacré survivant, quand même. Franchement. Moi, je vous l'ai dit. C'est Yara. Yara est une fille, ça, c'est sûr, ouais. Y a aucun doute là-dessus. Hein. Ça passe. Yeah. Hop là, allez. On va voir si t'en es capable. Oh, oh, c'est chaud. Ah ouais, quand même. Tu vas bien? Bah ouais. Ça va. Pourquoi il demande ça? Je te dis que ça va. Ça va nickel. Wow, notre objectif. On approche de ton immeuble. Oh, on y est juste là. On a été un petit peu déboussolé, hein. Si vous vous rappelez, on a passé une soirée assez spéciale quand même. Je vous passe les détails. Ah merde, je pouvais ouvrir la porte. Bon bah, on va l'ouvrir quand même. Le petit troll du jeu, ça. Oh, regardez, les petits sapins de Noël. Oh. Il y en a qui mènent la belle petite vie. Ça fait combien de temps que vous vous êtes enfuis ? Deux jours. Et vous comptiez aller où ? Je sais pas. Ah, pourquoi ils ont enfui ? Se sont fuis comme ça. Alors tu vas finir par me dire pourquoi ils en ont après vous? Ah voilà. Je te l'ai dit. Ils veulent la peau d'un gamin juste parce qu'il s'est rasé le crâne. J'avais pas le droit. C'est la règle. J'ai désobéi. Ok. Donc en gros tu te rases. Tu te casses le bras quoi. Je sais pas. C'est ton petit côté punk. Punk? J'ai l'impression pas ce que c'est. C'est pas. J'imagine, ouais. Bon, je peux la lire la note ou je peux pas la lire? Chère voisine, nous, c'est Sam et James. On habite au 302. On ne savait pas qu'il restait des gens ici. Faut pas avoir peur de nous. Voici un petit quelque chose fraîchement sorti du four. Sam. Merci pour le pain de maïs. Ma mère m'a dit que vous donniez cette bouteille de vodka. J'espère qu'elle est bonne. Pourquoi vous n'êtes pas parti en quart avec les autres? Moi, c'est Julia. Ma mère s'appelle Heidi. Signé Julia. Où t'as trouvé cette vodka? C'est génial! Ah ouais, ils peuvent se bourrer la gueule, t'imagines, ils sont heureux les mecs. On est resté parce qu'on a entendu des trucs horribles sur les refuges. C'est la loi de la jungle. Les gens se volent et s'entretuent. On a préféré tenter notre chance ici. N'hésite pas à nous dire si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ok, ça fait un peu la colloque des survivants quoi. Merci encore. Je regarderai si ça se trouve de la farine pour pain de maïs quand je sortirai. Ça a changé ma vie, c'est gentil de proposer d'aider ma mère, blablabla. Ok, tout se passe bien. À mon avis, ça va déraper. Les Scars ont vu James cuisiner sur le toit et l'ont abattu. J'en ai tué deux, mais le troisième a filé. Je laisse notre porte ouverte et quelques réserves dans notre coffre. Le code, c'est notre numéro d'appartement, puis le vôtre. Prenez tout et sauvez-vous, Sam. Ah bah voilà, ça va nous permettre d'ouvrir un petit coffre, donc on a bien fait le lire. Je ne peux pas abandonner ma mère. Je vais barricader notre porte et croiser les doigts. Vos affaires sont toujours dans le coffre. Je sais pas tirer. S'ils arrivent, on lèvera simplement les mains. Aïe, aïe, aïe. Bah à mon avis ils vont se faire tuer. Mais c'est ouf qu'ils sont aussi violents que ça les Scars. Alors attendez, donc la chambre, ils ont dit que c'était bili 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 bili. Il avait pas écrit la 300. Ouais, 302. Ok, donc eux bah c'est voisins. Donc 303 ou 301. Dans la logique, de toute façon on va regarder à l'extérieur. Ok. Bon, si on trouve des cadavres. Alors attends justement. Alors ça c'est le salon, Julia. Infecté. Richard. Bon. Il faut trouver la chambre des voisins. Ah bah le coffre est ici. Bon on va tester directement si les voisins ça.
Ce sera simple, hein. Ça sera simple. Donc 302, on va essayer 303, 301. 302. Ah oui, bah du coup 30. Bah attends, non. 300. Ouais, si, 302. Et 300. Qu'est-ce qu'on met en premier? Attends, je fais de la merde. C'est bien 302. Attends, je vais vérifier. Non, c'est 303. Je sais plus. Je sais plus. Les chiffres. Le poison des chiffres. Non, toi, c'était ça, 302. Donc, du coup, 301. 302, 301. Mais on va le faire. Alors. 302, 300. J'ai une chance sur deux. Hein? 302? J'ai fait une erreur là. J'ai été trop vite. 302. 300. J'ai fait une connerie juste avant. Bon, je vais vérifier le code. Bon. Bah attendez. Bah attendez, je vais tenter les autres chiffres. Donc c'est des voisins, mais du coup c'est peut-être en face. Donc s'il y a des numéros. Oh là là, s'il y a chiffre impair, pair. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. 302, 300. Bah si c'est des voisins. Ah fuck, 304. Oui. Bah c'est voisin en face alors. Hop. Je sais pas si on pouvait vraiment le découvrir en sortant. Peut-être ça tombe là. J'étais tellement vite, pas besoin de vérifier moi. Attends, je vais voir si je peux sortir. Ah bah oui, j'aurais pu sortir en fait. Donc 301. Ah bah oui, j'aurais trouvé comme ça, ok. 301. Eh oui, d'accord, 304. Ok, là, c'était en face, d'accord. Bon bah, ok. D'accord. Moi, bon, c'était pas très compliqué. Hop. On fait quoi? Ouais, la pioche Fortnite, c'est un peu lourd, ça fait trop de bruit. Moi, j'aime bien la petite batte de baseball. Hop. Ah merde, je pensais que c'était un établi. Je me suis fait brain. Bah, le coffre, il était pas ouf, hein. Pas ouf, pas ouf. Ouais, la pioche Fortnite, c'est vrai qu'elle one shot au final. Faut peut-être la garder. I don't know. Donne-moi la petite pioche. On va voir si on peut. On va voir si on peut piocher, si on peut crafter un petit peu. Alors. Pas de grenade, pas de surin, mais un medikit. Allez, on va se faire un medikit. Comme ça, au moins, on est safe, on est full life. Là, ce qu'il me faut, c'est des munitions quand même. J'ai pris 4. J'ai pris 3 balles de snipe, donc ça, c'est cool. Alors, à mon avis, il faut. Oh, ok. Ouais, non, j'allais dire, il faut monter, donc je vais descendre. Mais non. Mais non, mais non. Bon, là, je vais pas faire poule. Hein. Ah, donc c'est ici qu'il cuisinait. J'ai pas. Par contre, on n'a pas vu de cadavre. Donc, peut-être qu'ils sont. Ils s'en ont sortis. Peut-être une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la soirée. Oh, oh, j'avais pas vu. Oh, nice. Oh, cool, je récupère les flèches. Allez, hop, ça. Ça, depuis longtemps. J'avoue que lui, la flèche illimitée, il devrait me le donner. Bonjour. T'es plutôt doué. Je devrais voir Yara. Ah bah Yara, c'est fini. Hein. Et ouais, Yara va se faire couper le bras, ça c'est chaud. Ça c'est chaud, chaud, chaud. Est-ce que j'ai pas une petite amélioration? Ah non, j'ai que 7, ok d'accord, moi j'ai tout dépensé. Embrouille avec un pigeon, il m'a mal regardé, je goumais. Je sais pas, dès que je vois un pigeon, je me sens obligé de tirer. J'ai plus rien, c'est comme ça. Tous les jeux. C'est une maladie. Ah. Merde. Ok, infecté. Il appelle ça des démons. What? C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que tu branles toi? Vas-y, fais encore plus de bruit, je t'en prie. Oh putain, il y a une méga pustule. Alors là, j'espère qu'il y a un autre passage. Ah non. C'est par là qu'on doit passer. Merde.
Ça m'arrange pas du tout cette histoire. On va tenter un truc. Waouh. Oh waouh, ouais, non. Oh merde. Ah mais ils sont combien là-dedans? Oh, il y a deux claqueurs, un méga pustule. C'est méga chaud, hein. Il fait quoi, là, la méga pustule de l'examen? Alors, moi, j'ai... Ah, j'aurais pu faire une méga collate. Ah, ouais. Alors, ça me tente bien. Ça, faut que je tente. Comment je peux faire? On va tenter un truc. Allez, on le tente. J'ai pas de grenade. J'ai qu'une seule balle. J'ai la pustule, j'ai tout. Oh, j'ai tout le monde. Et on revient en force. Rien à foutre. J'en ai eu combien? Oh, j'en ai eu. Waouh. Mais quoi? Il y avait pratiquement personne qui est mort. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez hop. Une balle, deux morts. Suivant. Ah si, j'en ai eu quand même deux. Ok. J'en ai tué deux et après les autres étaient bien amochés. Donc c'est bien. On a économisé un petit peu. Putain, je pense que j'en ai touché quatre faciles. Hein. Mais ils sont pas... Ouais, ils sont pas morts. Tu vas bien? Parce que la dernière fois, j'en ai eu combien? J'en avais eu trois. Hein. Ouais. Mais bon, c'était peut-être juste des... C'était des infectés simples, quoi, entre guillemets. T'as tué combien de séraphites? Pourquoi? Des centaines, mon pote. Des centaines. Je sais, je pouvais pas piocher. Hein. Si je pioche le mec à pustule avec l'acide, je vais prendre méga tarif. Et tu es un simple infecté à la pioche, c'est un petit peu dommage. Mais bon. Je pense que là, c'est bien. On n'a pas utilisé beaucoup de balles. Pour le nombre de kills, c'est correct. C'est correct. Et Yara se débrouille. Lev se débrouille bien avec son arc. On va récupérer quand même un petit peu de loot. J'ai toujours mes deux flèches. Les flèches, je vais plutôt les garder pour les humains. Et avec les infectés, on va plutôt jouer au fusil à pompe, tout ça. Parce qu'ils ont plus. Ils ont. Enfin, eux, ils me rush, donc on joue close. Alors que les humains. Surtout les Scars, ils sont trop mal. Je trouve. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que l'IA des Scars est plus intelligente que le reste. Allô. Let's go. Allez. Oh là là. Le courant est super fort par ici. C'est vraiment, je sais pas d'où elle vient, par contre c'est tôt, mais bon. Ouais, un peu bizarre. Ah, regardez. Un cadavre. Une petite note peut-être. Des munitions surtout. Hop. Oh, fais chier. C'est qui? Je sais pas. C'est pas un wolf? On est des milliers, je te signale. Bah je crois. Alors c'est farine, cigarette, sel. Arrête de nous appeler les Scars. Ouais. C'est peut-être le mec de l'appartement de tout à l'heure. Allez. Un petit peu de stuff là. Là, ce qu'il me faut, c'est des balles de pistolet. Donnez-moi des balles. Je suis à sec. C'est la dèche. Ah, ils veulent pas. Hein. Ah, si, ah, un atelier. Alors, est-ce que j'ai 35 boulangs? Ok, ok. Ouais, il n'y a pas grand chose. Je peux améliorer la stabilité du fusil à pompe, mais on va améliorer les dégâts plutôt. Ouais, les dégâts, c'est bien. Donnez-moi des balles. Je vais voir là-bas s'il n'y a pas un petit truc. 9, négatif. Ok, bon bah allez. Quand faut y aller, faut y aller. C'est stylé ici. Yop là. Allez mon petit, saute. Il est où? Lève. Vas-y, hein, prends ton temps, vas-y, vas-y, t'inquiète. On a tout le temps, bien sûr. Ah bah vas-y, passe devant maintenant. Arrogant, garçon. Mal poli. Oh.
Lève au secours! Lève au secours! Oh fuck! Non, je vais devoir tout faire! Hey, il m'aurait pas aidé, hein, le salaud! Hey, mais attends! Bah, c'est cool ça, ça m'a fait découvrir un nouvel endroit, non? Bah, nickel! Non, mais c'était. Enfin, c'est. C'est fait exprès, hein! C'était fait exprès, hein! Ne vous inquiétez pas, regardez! Bien sûr, c'est sous contrôle. Il vient ou pas, vous pensez, là, si je vais là? J'entends galérer le poteau. Hop. Il n'y a rien. Bah non, finalement, on était peut-être... ouais, on était peut-être censé passer par là. Prends ton temps, c'est pas comme si ta pote allait mourir, j'avoue. C'est vrai qu'on a le temps. La pauvre, elle est en train de crever là-bas à l'aquarium. Moi, je suis là en train de looter un petit peu. Yara ? Non, c'est rien. Son bras tout rouge là ? Non, c'est rien. Pas de problème, ça va, tranquille, on a le temps. Laisse-moi looter un petit peu. C'est bon. Moi, tout ce que je veux, c'est des munitions de pistolet. Ouais. Cette immeuble va nous conduire à celui qui est juste à côté. Ok, on est bon. Hop. Ouais, c'est un costaud le petit, hein. Regarde-le. Regarde-le comment il grimpe. Non, là je suis désolé, il faut que je loot. Je suis trop dans la merde. Ok, donc les ciseaux, je suis... Ok, on va faire une petite bombe. Ah, dommage. Dommage parce que je suis full de ciseaux mais pas du reste. Oh, oh putain, j'ai cru qu'elle allait balancer la bombe, la malade. Ah, oh, les balles incendiaires, je peux pas. Ah merde, j'aurais dû faire ça peut-être plutôt à la place de la bombe. Allez. Ok, let's go. Ça me paraît bien. On va pouvoir faire la bagarre. Oula. Wow. Mais mec, je suis incapable de faire ça, moi. Je peux faire le tour. Allez, on va faire le tour, ouais, je préfère. Non, non, mais enfin, c'est pas... C'est juste que j'ai pas les bonnes chaussures. J'ai pas mes chaussures Décathlon, là, de sport, donc bon. On va pas prendre de risques. En vrai, les Scars, ils sont skillés, quand même. Ok. Let's go. On y est. C'est ça leur passerelle. Ah ouais, c'est ça. D'accord. Stylé. Tout va bien se passer. Ça va être. Et du coup, à mon avis, je peux crafter parce que. Non. Vu que les Scars ne touchent pas du tout au matos du ancien monde. Ouais, je m'attendais à un truc un peu plus souterrain et tout, moi, par contre. Au final, ils ont juste bricolé 2-3 bouts de bois dans un immeuble, je veux dire. Pas de quoi casser ton pâte à canard. À diffuser. Les anciens ont convenu d'une trêve avec les wolves. Ils ne viendront pas sur notre île et n'attaqueront pas les séraphites en transit sur leur territoire externe. Pour préserver la paix, nous devons tous coopérer. Nos objectifs restent les mêmes. Il s'agit simplement d'un autre moyen de les atteindre. Quel est leur objectif? Donc la fameuse trêve entre les wolves... qui a dégénéré, qui a causé du coup à la mort de la prophétesse et qui du coup c'était un point de non-retour entre les deux factions. Par là. Donc c'est les anciens, visiblement les anciens Scars. Donc, comment on a pu rater ça? Oh. Les wolves lèvent jamais les yeux. Qu'est-ce que ah ouais, là c'est déjà un petit peu plus stylé, ouais. Putain! Plein d'armes. On trouve toujours le moyen de vous échapper. Tu devrais peut-être arrêter de dire. Les Scars, c'est les Scaves. Ah ouais, là, j'avoue, ça envoie les petites passerelles comme ça, là. Mate-moi le bousin. Et là, du coup, on va peut-être tomber sur des patrouilles, faut faire gaffe. Le fidèle. Oh, il s'est pris une balle. Ah non, ça va. Bah attends, ils ont des armes maintenant, faut savoir, les gars. Ok, vous voulez tirer sur mon petit camarade. T'aurais dû rester où tu étais, Lily. Lily?
C'est qui Lily? Ah, il l'appelle Lily? Ok, tranquille. On est toujours en phase d'infiltration. Je pensais qu'on était en mode bagarre. Mais là, on est plus en mode infiltration. Et regardez ce que j'ai ici. Ouah, la pioche Fortnite qui m'a sauvé. Allez, j'en ai plus qu'une, donc je vais l'enlever. Ok, nice. On n'oublie pas que j'ai une grenade. Ok, tranquille. S'ils viennent un par un, c'est facile. Ok, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Ah, mais attends. Oh oh. Oh oh, damn ça. J'ai totalement oublié. Mais what, attends, qu'est-ce qu'elle me fait là? J'avais totalement oublié cette arme aussi. Ouais. Ah, bah c'est bon, c'est déjà fini. Waouh. Waouh. Vous avez vu le travail? Je vais t'aider. C'est bon. Tranquille. Easy. T'as entendu comment ils m'ont appelé? Ouais, Lily. Ouais. Tu veux pas me poser de questions? Est-ce que tu veux que je te pose des questions? Non. Oh, ok. Je sais. En fait, je pense que Lev s'appelle Lily. En fait, c'est son vrai prénom, qu'il est né fille. Et que là, il se sent garçon et c'est pour ça qu'il s'est rasé la tête. Sauf que les Scars, ils sont bah, un petit peu à l'ancienne, quoi. Anti-évolution. Mais du coup, comme elle veut changer de sexe ou d'identité, bah, il la traque et tout. Je dis peut-être des conneries, mais moi, je pense que c'est ça. Et du coup, ce serait une fille, sauf que là, elle se considère garçon. Moi, je pense que c'est ça. En plus, ça m'étonnerait pas du tout que Naughty Dog écrit des personnages un petit peu comme ça. Et du coup, les créateurs disent que c'est un garçon parce que c'est un garçon, elle se sent garçon en fait. Donc c'est un garçon, en gros. Ah, les problèmes dans le chat, aïe aïe aïe. Allez, let's go. Donc du coup ouais, c'est pour ça qu'elle dit ouais, t'as entendu comment il m'appelle, parce que Lily c'est son nom de son prénom de naissance, je pense. Et elle a dit, ils ont dit l'infidèle, c'est elle, non ils ont pas dit elle. Moi. Elle est transgenre, tout simplement, la prophétesse. C'est l'escar, oh il y a du pain et tout. Séraphite. Ouais c'est ce que j'allais dire. C'est plutôt cool. Ça veut dire quoi, cool? C'est comme impressionnant. Génial, quoi. Protège-les. Ah. Regardez, il prie! Je me demande si votre prophétesse savait ce qu'elle allait déclencher. Elle a sauvé des dizaines de personnes. Et personne ne peut expliquer comment elle a fait. Ah ouais, il pense vraiment qu'elle a des pouvoirs. Elle a explosé des camions et tué des soldats. Là, voilà ton explication. Est-ce que t'as lu ses écrits, au moins? Quelques-uns. T'apprendrais beaucoup de choses. C'est ça. Allez, viens, lève. Il est cool, mais il reste quand même un Scars, quoi. Il continue ses prières et tout. Hop, putain, et ben, y en a des matériaux ici pour des mecs qui veulent pas toucher aux objets de l'ancien monde. Ça se met bien. Alors, je vais voir si je peux améliorer. Alors, je suis à 56. Ah, dommage, je peux pas améliorer les dégâts. Attendez, je vais regarder combien c'est. C'est 60. Oh, il m'en manque 4. Ça, ça fait chier. Ouais, c'est intéressant de voir comment pensent les Scars. Mais effectivement, je pense qu'ils sont très arriérés. Et du coup, il y a moi aussi qu'ils acceptent pas que Lev soit un garçon, en fait. C'est marrant, au final. Il y a une petite pique, je pense, aussi, de la part des devs. Pour une certaine partie de la communauté qui comprennent pas les transgenres, tout le mouvement LGBT. Alors, on va faire... Non, on va garder. On va garder... Ah, on peut faire un silencieux, mais j'ai... Ouais, on va le garder quand même. On va en fabriquer un.
Et par contre, avec les stimulants... Qu'est-ce qu'on va faire? Respiration bloquée, nul. Augmenter la portée du mode écoute, ça c'est bien, mais je pourrais pas le faire tout de suite. Pourquoi je peux pas apprendre? Ah non, il faut 50, ok d'accord. Confection de munitions. Ouais. Confection rapide, non, on s'en fout. Eh ben, on va faire... Allez. On va faire la munition de snipe. On peut craft des balles. Pour savoir peut-être qu'on peut les faire. Il faut quoi? Donc de l'explosif et des ciseaux. Bah, ça tombe bien, parce que j'en ai en trop. Allez, on va en faire. Hein. Ça en fait combien? Ah, ça en fait deux. Nice. Alright, let's go. C'est parti, direction la lumière. Sérieusement, je suis confronté comme ça. Je ne vous l'ai jamais dit, mais je c'est parti. Désolé pour votre fils. C'est un ah ouais, on est où là? Nice. Il est mort avec courage. Vous pouvez être fier de lui. Regarde-le, il est malade. Nous le sommes. Merci. Ça va sortir l'arbalète. Faire un nouvel enfant. C'est un grand honneur. Elisabeth leur est reconnaissante. Mais je ne pense pas qu'elles sont prêtes. Les anciens savent. Bon, ils ont fini de parler là. Tout va bien se passer. Oui. Elle a un arc. Bien sûr. À ta droite. Ouais, faut pas que je saute là. Alors, elle, je peux me la faire. Bien vu. Headshot, motherfucker. Ok, il y en a un ici. You le deuxième. Bon, il est parti. Ok, let's go. Hey, suis-moi. Putain, les FPS sont partis en vacances hein, dans cette zone. Oh, game. Oh putain, ça c'est le mastodonte. Je sais pas si je vais pouvoir le one shot de derrière. Ok, lui il est juste au-dessus. Oh, il y en a une juste au-dessus, vous avez vu ou pas? Ok, on va le laisser. Ok, il passe. Oh, il y en a beaucoup là. 1, 2, 3, 4, ok. Oh, bah là je suis baisé. Je suis baisé les potes. Waouh! Oh, il m'a pas vu, heureusement, il regardait de l'autre côté. Et attends, écoute. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il nous cherche, faut qu'on se tienne prêt. Merci pour l'info. Ok. Ok, on va bouger de là. Pas de problème, faut juste que je découvre celle qui est. Ok, ok, elle est là. Ah, je peux pas la voir, damn! On va essayer de la jouer sneaky. Ça va passer. Ce qui me stresse, c'est que j'ai peur que la meuf d'en haut là elle me tombe dessus, tu vois. Oh bah là, clairement. Ah! Ok, faut que je le mette. Hein. Bingo! Ok. Oh là là, ils sont vraiment beaucoup là, ça va être dur. Hein. Je vais être à court de flèches, les potes. Ah oh, putain, c'était sûr, ils sont trop nombreux. Ok, on va passer sur un autre. Oh merde, elle est déjà là. T'es sérieux ça? Allez, faut que je me soigne. Défends-moi, lève. Oh oh. Waouh. Ah, ça va être chaud. Allez, en hauteur. Ah là, la hauteur. Hein. Suis-moi, vite. Hop là. Ah, genre elle m'a suivi, elle a pris aucune grenade quoi. Oh, oh, oh. Damn. Élève, t'es où là? J'ai besoin d'aide. Ah, je vais pas pouvoir me soigner hein.
Ah si, c'est bon. Nice. Ah ouais, mais... Bagarre! Oh, c'est bugué! Ouh! Putain, ils sont durs à tuer ceux-là, ils sont coriaces! Damn! Bon, là. Où sont les derniers? Putain, c'est dur hein, quand ils sont sur plusieurs étages comme ça! Oh. Faut vraiment avoir l'œil partout, quoi! Ok. Oh, encore! Encore 3. Ça a commencé à être dur là. À ta droite. Ah, fuck it. Come on. Ah ouais, là, je me fais. Oh, la violence. C'est... Wow. C'est bon. Il s'est fait tuer par un allié ou quoi? Oh non. Bang. En plein cœur. Nice ya, lève. Putain, je me gratte pas. Wow. Lève, tu peux faire quelque chose? Parce que là, ah, là je peux rien faire. Ah, j'ai plus du tout de vie là par contre. Hein. Oh. Wow. Comment je fais pour sortir de cette sauce? Oh, j'ai rien là. En vrai, limite, ce serait mieux que je meure. Hein. Franchement, faut que je la passe mieux que ça cette zone. Qu'est-ce que vous en pensez? On suicide ou pas? Oh là, ça va être la galère. On va. Prochain chemin. On l'a passé avec beaucoup trop de difficultés ce step. Il était de porc. Ah, c'est marrant, regardez. C'est marrant ça. Le FOV il change quand on regarde le vide avec le vertige. Attendez, je vais regarder là, il y a peut-être. En vrai, il y a peut-être un medikit qui traîne quand même. Vu la difficulté de la zone. Ah, tout le monde est en mode non. Ok, vas-y, bah on continue, mais. Ok, moi ça me va. Hein. Il y en a encore. Ok, un là-bas. Ok, il y en a encore, il y en a encore pas mal. Hein. Oh bam. Allez hop, c'est réglé, terminé, bonsoir. Allez, c'est pas grave, on va le passer beaucoup mieux. Donc là, il faut vraiment que je prenne le temps. Parce qu'au final, il y a genre 3 ou 4 étages avec pas mal de... Faut que je le joue... Ah bah non, on reprend là. Ah bah on reprend là, ok. Bah ils m'ont donné de la vie en plus. Ah bah ça va. Ils m'ont fait cadeau. C'est cadeau, ça. Ok, il y en a sur la droite. Oh. Ah ouais, les galères, cette zone. Bah là, on est en plein dans le QG des Scars aussi, faut dire. Ok, un là. Il est où l'autre? J'ai pas l'info. J'ai qu'une seule balle. Allez, pas que je la rate celle-là. Hein. Des munitions. Ça, c'est celui que j'ai eu au début. Ah, au final, on est là, ok. Merde! Ah ouais, on aurait simplement pu monter par là, d'accord. Il me faut un kit! Il me faut du tissu! Parce que là, c'est chaud. Pas de soucis. T'es mort. Mais qu'est-ce qu'il branle là, lui? Ok, on va tenter un quickscope. Raté. Putain, le viseur parfois il bouge tellement bizarre. Regarde, tu vois ce qu'il fait. Tu fais quoi là? Et là en vrai il tire, je suis mort. Il tire, je suis mort. On peut peut-être discuter si tu veux. Regarde là, clairement il. T'as aucune chance. Ah ouais, là c'était pas ouf hein. L'intelligence artificielle, ce qu'il m'a fait. Ah, quoique au final il est pas con parce que là il est en hauteur. Je l'ai un peu dans le huc. Après il avait. Ok,
c'est bon, c'est bon. Quoi ? Aimbot là ! Oh le aimbot ! Vous avez vu, d'un seul coup il s'est mis à me viser, il m'a mis une tête. Alors ça, je suis pas d'accord, mais vraiment pas d'accord. Il va me faire galérer. Hein. Ah, nous sommes dans un moment difficile. Allez. Et y a rien. Ah si, voilà, c'est ça que je cherche un petit peu. Bon, c'est des radins. Hein. Franchement, ce qu'ils m'ont donné là. Ok, ok, ok. Il y en a encore d'autres ? Ok, c'est le dernier. Bon, d'ici, je peux lui mettre la tête, je pense. Ok, c'était ma dernière balle. Ouh ! Ah, c'était un sacré passage, hein, celui-là. Ouais, nique les scars. C'est bon, je peux me faire un petit kit. C'est bon, on a réussi, on a réussi. C'est juste que là, ouais, avec si peu de munitions, ça devient compliqué, hein. Ça devient très compliqué. Ouh. Let's do this. T'as pas de balle à me donner? Oh, regardez, en plein dans la tête celui-là. Oh, oh ouais, une belle ouverture là. Mmh. Regardez ça, lui. Hey, il lui manque carrément un bout de crâne, je crois. Et il est beau, hein. Oh, il est beau celui-là. Bon, c'est passé. Par contre, niveau munitions, bah... Là, ça va être un petit peu plus compliqué. Ah bah, forcément. Ah, voilà. Il nous récompense un petit peu. Ils sont pas si radins. On l'a vu, la petite clé de 12, là. La clé à molette, là. Bon, hop. On va où, maintenant? Voilà. Attends, laisse-moi deviner. Faut grimper? Ouais. Allez, on va prendre des maths. Est-ce que je peux... Alors, je... Ouais, on va rester comme ça. Là, l'objectif, ça va être de craft un silencieux de pistolet. Ça, ça peut être pas mal. Des petits boulons. Des petits tissus. Et c'est parfait. C'est un monde charge. Et tu vois qu'ils utilisent la technologie finalement. Ils parlent, ouais, l'ancien monde, mais regarde, ils prennent des ascenseurs, des flingues. C'est vrai qu'elle a le vertige. Je peux te donner un conseil. Oh, c'est pas vrai. Pourquoi ils montent si haut là? Juste de penser au côté. Au côté. Ah ouais, le stress là. Ah ouais, le stress de ouf, hein. Quand t'as peur, dis-toi plutôt que ton corps est en train de se mettre en condition. C'est en étant faible qu'on peut trouver notre véritable force. C'est moi ou on est en train de se faire carry par un gosse de 11 ans là? Le mec nous fait la leçon. Et Abby, elle est en train de se faire pipi dessus. Bon. Là, à mon avis. Ah non, je vais dire qu'il va peut-être y avoir de l'infecté, mais non. Tu tiens ça de la prophétesse? Ouais. Ok, il manque une bouteille. Faut que je trouve des bouteilles. Contre l'électricité et tous les trucs démoniaques de l'ancien monde. On fait quelques exceptions. Surtout quand c'est pour les soldats. Bah voyons. Ah, comme quoi. Leur religion, là. L'oracle Echo Plus. Ah, une petite note de Scars. Ça peut être sympa, ça. Alors. À diffuser. La trêve est terminée. Ils ont attaqué un de nos groupes. Nous devons montrer notre force. Prenez quelques-uns de vos meilleurs soldats et enfoncez-vous sur leur territoire. Tuez tous les wolves que vous croiserez, quel que soit leur âge. Il faut faire passer le message. Ok, la fameuse Donc, guerre est déclarée. Tu continues à aimer ta prophétesse alors que ses adeptes essaient de te tuer en son nom. Je n'aurais jamais vu ça. Tu devrais dire ça à tes potes. C'est seulement après sa mort que les lapidations et les pendaisons ont commencé. Il faut que déformer ses paroles. C'est-à-dire ses écrits. Ah, c'est marrant, il y a une sorte de petite résonance avec les religions quand même. On va voir ce que ça donne, hein. Alors regardez. Oh ouais, là on voit plus rien.
Ouais. C'est vraiment parfait pour elle, hein, qui a le vertige. Je sens qu'on va faire un fight là-dedans, on va pas être bien. Allez. Ça souffle par ici. Je vois bien un petit fight là en haut de l'immeuble. Dis-moi pas qu'on va passer. Ah si, on va passer dans le. Ah ouais, la passerelle de l'extrême. Suis-moi. Putain. Attends, y'a pas un petit peu rien de bien là-bas. Je sais pas si je vais y arriver. Non, y'a pas de step. C'est plus facile que ça en a l'air. Attends-moi. Ah oui, faut que je garde l'équilibre du coup. C'est vrai qu'avec Ellie c'était très simple, mais là. Ça va. C'est cool ça. Ça va peut-être pas être pareil. Les gens passent souvent par là. Ouais. Tu mens. Non, c'est vrai. Ah ouais, le pont de l'extrême, enfin, t'imagines. T'es à cette hauteur-là et tu marches sur des vieux petits morceaux de bois, là. Oh, putain. Wow. Évite juste de regarder en bas. Ah ouais, non, mais ils sont dans l'extrême aussi. Ouais. Bordel. Elle doit être tellement dans le mal. Doucement. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, comment, quand même, pour aller à l'hôpital? Je peux te dire que je l'attends, ma véritable force. C'est là où il faudrait Owen pour lui faire les fameuses blagues. C'est cool. Il faudrait sauter sur le pont, sur le bois, comme ça. Non, rien. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui se passe entre toi et ton ami Owen? On a fait quéquette. Pas vrai, lève, tu crois que c'est le moment? C'est juste que c'était tendu entre vous. Avance. Ok, on est bon. Plus de peur que de mal. En vrai, leurs bouts de bois, ils sont pas ouf, regarde, c'est fin. Tu mets un coup de pied dedans, tout s'écroule. J'ai réussi. C'est pour aller. On peut prendre le temps de s'extasier devant mon exploit. Pas encore. Pourquoi? Pourquoi? Tu vas voir. À mon avis, il y a encore pire. Pigeon, pigeon, attrape-les. Oh, putain, lève. Ah oui, non, c'est. Ah, c'est le tout pont. Va bien se passer. Ah ouais. Regarde-moi. Wow. Ça va mal se passer, moi, je vous le dis. On va avoir droit à un beau petit QTE. Hihi. Ok, c'est parti, équilibre. On est bon, je reste bien droit. On reste dans l'axe. Facile, facile. Vous le faites ou pas? Vous passez vous dans un truc comme ça? Oh là là, là c'est urbex. Urbex de l'extrême, hein. T'as peur de quoi alors? De l'océan. Des chiens. Bordel de merde. Ah, y'a beaucoup de noms quand même. Oh, regardez, on voit tout en bas là. Oh, on a passé la tempête. Ouais, les nuages ils sont partis, mais d'un coup quoi. Alors, on est où ou pas? Waouh! Ah ouais! Ça envoie! Avec toute l'eau là, on va dans la ville. Un délire. Eh, lui, il est. Attends, il est où? Eh! Ah oui, merde, je peux passer au-dessus, d'accord. What? Ah ouais, il est dans le mal. Presque. Je voulais que je saute. Tiens, regarde. En vrai, on peut sauter pour voir l'animation. Oh putain! Oh putain! Concentre-toi sur moi! J'y arriverai pas, Alev! J'y arriverai pas! Et si tu vas y arriver? Ça passe! Si tu peux. Regarde pas en bas! Regarde toujours droit devant toi quand c'est comme ça! Ah ouais, y'a tout le monde qui veut que je saute. Je peux sauter, hein, je peux essayer. Faudrait que je fasse exprès de tomber. Allez, tombe! 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 Ah, c'est dommage, on la voit pas s'écraser. Oh! Les sadiques, vous êtes sadiques en fait! Ils sont tous en mode saute! Saute, Cyril, tu peux le faire! Allez, mets fin à ces jours! Montre-nous un petit peu de souffrance, Cyril! Saute, oui! T'écoutes plus le chat, c'est terminé! Regardez, l'hôpital, il est juste là-bas. C'est bien dommage d'avoir glissé comme ça. Par contre, j'ai vraiment dû abuser sur le joystick, hein. J'ai vraiment poussé, mais c'est le sadisme poussé à l'extrême. Tout doucement. Tout doucement. C'est bon. Allez, ça passe. Putain. Tu y es presque. Ok. Ok. Et lui, il a vraiment aucun mal, par contre, il est quand même badass. Regardez les fientes de moineau, je vais glisser sur une fiente, moi je vous le dis. Allez. Regardez, en plus. C'est la tête qui tourne. Vous voyez en bas, c'est des vitres, je suis sûr que je vais tomber. Regardez là, le tas de fientes. Je peux, si je marche sur ça, je vais tomber. Je vous l'ai dit! Le tas de fiottes, sa mère! Remonte-moi! Ah!
Bah oui, tu marches pas sur un aussi gros tas de fientes, ça glisse parce que c'est toujours un petit peu croustillant sur la surface, mais fondant à l'intérieur. C'est ça le problème, c'est comme un petit chocolat, quoi. T'imagines, tu vis tout ça et tu meurs à cause des fientes de moineaux. C'est triste. J'en étais sûr. Donne-moi juste une seconde, s'il te plaît. On peut dire merci à la piscine, hein. D'accord. Elle qui avait le vertige maintenant, bah je te raconte pas. Elle va non seulement avoir le vertige, mais ensuite avoir une phobie des fientes de moineaux. Ok. Je peux te dire que dans un monde post-apocalyptique, c'est bon. Mal bail. Je suis médium, exactement. Et merci la piscine municipale de Seattle de nous avoir sauvé la vie. Pour le plaisir, on va se faire un petit 100 mètres. Allez. Je sais pas. Pour profiter. Comment ça? C'est le bon immeuble, mais. Ah, je suis encore jamais venu par ici. On est bien là. Parce qu'elle conduit à profite un peu de la vie, Lève. Regarde, on est vivant, bordel de merde. Ok, bon. Essayons de trouver le moyen de descendre. Il est pas fun. Il est clairement pas fun. Oh là, il y avait un jacuzzi. Ah ouais, les bons jacuzzi et pédiluves avec un maximum de microbes. Est-ce qu'il y a un pédiluve dans cette piscine? J'aimerais voir. Pour l'instant, j'en vois pas, ça m'inquiète. Parce que qui dit pas de pédiluve dit beaucoup de microbes. Ah, il y a pas de pédiluve, hein. Donnez-moi un sneaker. Alors, on a eu de la chance. Hop. Peut-être que c'était pas de la chance. Peut-être que si. Non, ah, pas de pédiluve. C'est une honte. Les gens avec leur panard tout pourri là. Si je meurs, ce sera pour ma pomme. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es revenu nous aider? La culpabilité. De quoi? Tu ne devais rien du tout. Ouais, je suis trop gentil. J'ai besoin de faire quelque chose de bien. Eh ouais, le Covid, il se répand. Forcément. Pas de douche, pas de pédiluve, Covid. Le calcul est pourtant simple. Est-ce que vous aussi, quand vous passez à... Ah, Wi-Fi gratuit pour les clients de l'hôtel. Mot de passe, 1, 2, 1, 8, 7, 9. Bah vas-y, on va regarder des petites vidéos YouTube. Imagine, il y a encore des YouTubeurs post-apo. Eh, salut tout le monde. Comment vous allez aujourd'hui? Attention, DIY, confection de pain avec de la farine de blé. Et aujourd'hui, les amis, un petit peu d'urbex. Attends, par contre, s'ils le mettent autant de fois, le wifi, c'est qu'il y a peut-être un petit truc à faire. Méthode de survie. Ah bah. Vous avez retenu ou pas? 1, 2, 1, 2. Alors 0, 1. Ou alors non. Je pense que... Je pense... Qui se rappelle du code, les gars? 1, 2, 7, 1, 2, 18, 12, 18, 79. Alors, si c'est le code, les mecs, c'est vraiment des trous de balles, quoi. C'est pas attends, non. Non, 12, 18. 12, 18, j'ai lu un mauvais, il me donne la mauvaise info. 12, 18. Ah! Mais. Pas possible, ça. 12, 18. 79. Ah non, mais les mecs sont débiles. Non, mais le mot de passe, le code, mets-le sur le coffre en fait. À ce niveau-là, je veux dire, mets-le directement sur le coffre. Genre, t'as des affiches. T'as des affiches partout en gros. Attention, le code est 12-18-79. Attention. Non, mais c'est vrai que c'est un bon moyen de garder ses affaires cachées dans un coffre. Je veux dire, s'il pouvait faire ça aussi à la banque. Ça m'arrangerait. Ce serait pas mal. Les débilos. On descend par là. Les gars. Si on rejoint la rue, on sera juste non, à côté je veux pas. De l'hôpital. Je veux d'abord loot avant. J'ai une idée de fou. Pour le coffre de la piscine municipale. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le code sur les murs, mais attention. On va dire que c'est le code Wi-Fi. Et les gens, ils vont pas penser que c'est le code du coffre, alors qu'en fait, c'est le code du coffre. Eux, ils vont croire que c'est le code Wi-Fi. Et on va le mettre partout. Plus c'est gros, plus ça passe. Et là, je vous jure qu'il n'y a jamais personne qui trouvera le code du coffre. Ah ça, ouais.
Ouais, c'était pas des lumières à la piscine municipale, hein. Je vais vous dire, les fonctionnaires de Seattle. Ils connaissaient pas trop le chômage, donc ils prenaient un peu les premiers venus, quoi. Ah, une petite note. Merci de ne pas laisser vos objets de valeur traîner pendant votre service. Il y a un coffre dans le placard d'entretien du hall. Le code, ah bah, est le même que pour le wifi. Ouais, super, on avait même pas eu besoin de ça. Ça passe tout seul. Du coup, j'ai même peut-être assez... Non. Pas assez pour le silencieux, il me faut toujours des petites bouteilles. Let's do this. Et il y avait un autre passage aussi. Bah c'était là du coup, ouais. Ok, on est bon, on va pouvoir y aller. À mon avis. On va plus... Oh. Un cadavre. La Phédra. C'est l'un des tiens? Non, regarde les vêtements. Tiens, c'est sombre là-bas. Ah, d'accord, je comprends. Attends, ils savaient pas ce que c'était une lampe torche. Seb, Victor et Irina sont morts. J'avais pour ordre de nettoyer l'immeuble. Avery et Mali ont disparu. Et j'ai été mordi. Le nid était plus gros qu'on le croyait. J'ai essayé de tout faire sauter, mais ces putains de détonateurs n'ont pas marché. Ok. Alors, visiblement, il y aurait eu un nid dans cet immeuble. Lev, il est désinfecté dans ce bâtiment. On prend toujours l'élévateur jusqu'en bas, alors... Ouais, il va y avoir, à mon avis, on va tomber sur le nid. Et il y aura peut-être même moyen d'activer les explosifs, en vrai, ça, non? Ok. Il y aura beaucoup de cadavres de la Phédra. C'est parti. Sport. Mets ton masque. Ah mais il a pas de masque. Quoi, ça fait pas partie de vos croyances? On a dû s'enfuir. Ah du coup on peut pas passer. C'est je dead. Je vais voir ce que je peux trouver. Reste ici. Recule. Encore. Ah, bravo, bravo. Il me laisse tomber. Si tu meurs, je serai coincé ici. Bah non, tu peux faire demi-tour. Oui, pour que je m'en sorte alors. Et c'est parti! Au moins là on est en solo. Une bonne petite zone à l'ancienne de claqueurs. Les claqueurs ça met... Oh, un masque. Faut que je trouve un masque. Ah ouais, il faut que je lui trouve un masque. Wouah, la galère. Je m'occupe de tout ici. A mon avis, il va falloir que je trouve ça sur un cadavre. Ah oui, il va y avoir beaucoup de cadavres de la Phédra, je pense. Putain, j'ai toujours pas de bouteille, hein. Je peux faire un silencieux négatif. Bon, pour l'instant, ça a l'air calme. Waouh. Ok. Y'a pas un petit sneakers là qui traîne? Non, c'est vide. Merde. Oh fuck. Toi, reste là-haut, ok? Ok, y'en a en haut. On va prendre notre petit fusil d'assaut. Hey, il a pas un masque lui? J'ai pas fait gaffe. Non. Négatif. À mon avis, je vais tomber sur une méga zone infectée, hein. C'est sûr même. Eh, c'est big ici. Oh. Oh là là. Regardez, c'est un mec ça. Ah, c'est ouf. C'est un mec ça. Why? Des petits boulons. Des petits boulons. Ah. Ah bah voilà. Facile. Il va se réveiller 100%. Non, non, il est vraiment... Ah, t'imagines, il va mettre ça après, ouais. Il doit avoir des vieux morceaux dans le masque. Il a l'air bien. Il a l'air bien, ouais. Bon, j'arrive là. Il a moisi dessus, quoi.
Ok, on est bon. Je suis tombé dessus vraiment par hasard en plus. Oh, oh putain. Putain. Il y a un vieux rôdeur. Ah, j'aime pas ça en plus, les rôdeurs. Où est-ce qu'il est? Ah, j'ai eu peur. Ouais, comme par hasard, maintenant ils sont là. Bah ouais, forcément. Forcément. Fallait s'en douter. Oh, il est là. Oh non, hein. J'espère qu'il a pas prévenu les autres. C'est ouf ça. Mais elle est trop nulle. Waouh. Ça dégage. Ça dégage. Et ma clé de 12, elle est nulle. Waouh. Ok. Vous voulez la jouer comme ça? Bordel. En fait, je pourrais courir. Mais j'ai bien envie de looter un peu. En fait, la clé à molette, elle est trop longue. Ils ont le temps de me frapper entre chaque coup. Donc, j'ai peut-être la tège au final. Eh, hey, mais regardez, il y avait encore un masque ici. Ah oui, en fait, il y en avait partout. Je suis derrière. En vrai, ça me fait chier d'utiliser une balle. Attends, bah attends. Tout doux, mon petit. Non. Genre. Je dis non, monsieur. Je dis non. Ok, faut vraiment que je fasse gaffe parce que là, ils vont m'attendre à chaque fois, à chaque petit coin. Hop. Hop, hop, hop. Ok, on est bien. Ah, il est juste là. C'est marrant, je vois sa tête. Eh ouais, mon pote. Je suis pas là pour rigoler. Alors, j'aimerais juste voir s'il n'y a pas un petit sneaker qui traîne. Non. Oh là là. Fuck it. Du coup, j'ai perdu masse de vie là par contre. Et y'a rien en plus. Je vais aller chercher mon copain. Puisque c'est comme ça. C'était où? C'était là, hein. Voilà. Ah, fuck, j'ai perdu ma vie pour rien. Tiens, c'est cadeau. Allez. Trouve-moi un petit sneaker maintenant. On va voir, je me crafte un petit kit. Attends. Rappelez-vous quand même qu'il y a 5 minutes, c'était quand même sur un cadavre en décomposition, quoi. Donc je peux dire que l'odeur à l'intérieur du masque... C'est pas en mourant tous les deux qu'on va aider ta sœur. Je sais pas s'il est aux normes, hein, le bordel. Voilà. Ça va aller. On est bon. Eh, mais attends, pourquoi il y a des munitions ici? T'as vu par où descendre? Hop. Non. Ah, on va pouvoir y aller. Ah, mais j'avais pas vu, regarde ça, le petit cadavre qui se cachait, là, le petit squelette. Bah alors, on se décompose tranquillement à côté des poubelles. Là, il y a pas un petit sneaker? Il y a rien, ils veulent rien me donner. Attends, je vais voir en haut s'il y a pas un petit truc, là. De toute façon, c'est d'ici. On vient d'ici, là. Non, il y a rien. Oh. Je sais plus si on vient... Merde, je sais plus, on vient d'en haut. La piscine municipale, c'est au 21e ou... Ouais, ok, donc je peux descendre peut-être au 19e. Parce que là, là, ça pique un peu. Les rôdeurs, c'est vraiment chiant. Et puis, il faut que je prenne autre chose qu'une clé à molette. Ah oui, non, je... Ah oui, ouh. Effectivement. Il manque un petit morceau d'escalier. Il manque 2-3 marches. Bon, je peux craft. Ok, j'en craft un, vas-y, je l'utilise. Oh, j'espère qu'ils sont pas là, les petits rôdeurs de merde, là. Les petits crotus. Mais du coup, j'ai même pas vu la direction qu'il fallait prendre. Je suis passé à Abby, côté. T'en penses quoi? J'en pense quoi, de quoi?
Ah, il y avait un petit truc là. Il est bon, le petit lève. Il est bon, quoi. Où ça? Ah oui, la petite courte échelle, bien sûr, mais bien sûr. Pas de soucis. Allez, viens. Non, tu veux pas? Comme ça? Ok. Mon avis va passer devant. Lève, viens descendre ça. J'arrive. Je te le dis, les rôdeurs, ils vont te ramener. Ice et vending. Il va réussir à me soulever, tu crois? Ouais, il va m'envoyer une petite corde. Attends, c'est méga risqué là. Je suis obligé de sauter? Waouh! Je vais aller voir en bas. Il aurait pas pu faire l'effort de. Tu calmes. Allez. Donc là, je vais vraiment dans les bas-fonds de lui-même, quoi. Let's go. Oh là là, regardez ça. Le fameux nid. Le fameux nid désinfecté. Why? Ouais, ça va être blindé de claqueurs. Ça va jouer des claquettes là-dedans, je te le dis. Faut que je me laisse tomber. Ah ouais, c'est chaud. Et lui, il vient quand même. Hey, saute, saute. Je te rattrape. Non, je rigole. Ouais, bah là, on est dans la sauce. Hein. C'est parti. Suis-moi. Y'a pas un petit sneaker là? Putain, ils sont tous vides, c'est chiant. Je vais sortir. Là, je vais sortir peut-être. Je vais sortir l'arbalète. Non, je vais le garder pour les humains. Ça. On va sortir la falle. Une petite note. La Fedra, elle a pris le tarif ici. Avery, l'hôtel Black Ray renferme un grand groupe d'infectés. Probablement ceux qui sont sortis de l'hôpital. Toi et ton groupe allez devoir faire sauter les fondations de l'intérieur. Utilisez les explosifs et détonateurs qu'on vous a fournis. Bonne chance. Sauf que les détonateurs ne marchent pas. Alors est-ce qu'on va... En vrai, ce serait cool de faire péter le bâtiment nous-mêmes. Mais je pense pas. Les explosifs sont là depuis 20 ans, tu sais. Ils sont tout rouillés, les bordels. Alors où est-ce que je suis censé aller, moi, dans tout ce bazar? Ouais, j'ai raté. Ah, c'est là, du coup? Ah ouais, d'accord. Oh! Ah ouais, regardez là-bas, il y a des rôdeurs. Oh. Non, les rôdeurs, ça me saoule. Ils sont chiants. N'inquiète pas, je secoue un petit coup. Ok. Ah, à mon avis, là, on va être devant une grosse phase d'un. Oh! On a fait flipper celui-là! Ça va prendre le tarif, hein! Esquive! 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 Ali! Mohamed Ali! Bam! Putain, j'espère qu'il m'a pas fait perdre de vie! Putain de merde! Ah ouais, à mon avis, ça va être la galère! Ah ouais, il était dans le mur! Je crois qu'ils évoluent en fait justement dans leur sorte de chrysalide là chelou. Qu'est-ce qu'il dit le petit Rob? Qu'est-ce qu'il raconte? Il est venu voir un petit peu de Last of Us. Viens voir le contenu qui fait peur. Bienvenue en enfer Rob. Bienvenue en enfer. Ok, moi je pense que ça va vraiment tout désinguer. Je sais pas. Attends, y a pas. Il est grand cet immeuble. Attendez. J'ai entendu des bruits chelous là. Ouais, ils sont en face. Ah non, ils sont en bas. Non, en face. Arrêtez de me pranker, vous êtes en bas ou en face? À un moment, décidez-vous quoi. Ah, j'en étais sûr. Oh en vrai, vous pensez que ça passe si je passe? Y'a personne? Y'a personne? Cet étage? J'en étais sûr. Mais vous avez vu que je comprends pas. Des fois, je suis devant, il me capte direct. Et des fois, il dort. Ouais, là, j'avoue, peut-être il dort. Vous pensez, il fait sa sieste. Fais dodo. Cola, l'infecté. Oh, par contre, il y a des petits boulons à côté de lui. Est-ce que je suis greedy? Je suis un petit peu greedy là, quand même. Je vais juste prendre les petits boulons. Voilà, les petits boulons. Voilà, c'est tout. Tranquille. Regardez, il fait de beaux rêves, c'est trop mignon. Allez hop, on se casse. Le démo Gorgon. Exactement, Nakito Naiko. C'est un claqueur. On les appelle les hommes chou-fleurs.
Ok. Ah, un petit explosif. Oh, c'est... Oh, oh messieurs, dames, le lance-flamme. Merci, la fête. Oh, waouh. Alors là... Oh, maman, maman, maman. Le lance-flamme. Oh, j'espère qu'ils vont tous... Ah, saloperie. Oh non, j'ai perdu masse vie, là. C'est pas cool. Ah, je vais mourir. Non, lui m'a donné le lance-flamme. Ça, c'est dégueulasse. Ça, je dis non, c'est un coup bas du jeu parce que j'étais en train de ramasser mon lance-flamme et il me saute dessus de nulle part. Donc, il faut vraiment que je me méfie, par contre, des... Bah, déjà, des cadeaux du jeu. Déjà, quand j'ai un truc cool, faut vraiment que je commence à me méfier. Mais surtout, il faut que je fasse gaffe à ces putains de chrysalides. Parce que là, il m'a one-shot, quoi. J'ai rien pu faire. Surtout que je n'ai... J'ai pas... Là, j'ai pas de surin. Je vais m'en faire. Je vais m'en faire un. Attends, quoique... Ouais, je vais me faire un surin quand même. Parce que ça, ça me permettra de d'escape. Bah, l'incendiaire. Il y a les flammes. Je m'apprête à avoir un lance-flamme. Donc bon, les flammes, c'est tranquille. Alors là, faut qu'on m'explique. Ah, j'ai tout tiré à côté. Je sais plus viser. Ah, j'ai eu peur. J'ai tellement eu peur que j'ai bombardé, j'ai tiré à côté. Mais vous voyez, là, j'ai fait exactement pareil tout à l'heure, non? Il fait quoi? Eh, hey, tu touches pas à mon pote! Voilà! Voilà, on joue à deux, on se les fait à deux. Bon, là, c'est bien, j'ai pas été touché. Non, mais là, j'ai fait exactement pareil tout à l'heure. Je crois que, je sais pas, j'ai sauté un millimètre plus haut, plus loin, en fait. Et du coup, il m'a entendu, tu vois. Peut-être c'est ça. Les boulons, je les ai déjà en fait. Oh putain! Oh, je vais le pomper, il m'a saoulé. Voilà. Ah, à un moment, ça va. Ok, j'ai de l'explosif en trop. Mais je peux rien faire. Ouais, je peux rien faire. C'était de l'humour. Bon, on va ramasser le lance-flamme. Ah, j'ai bien envie de le. Ah, on l'essaie ou pas? On teste le lance-flamme sur le. Mais du coup, il est où? Il est où son truc? Mais... Ah non, attendez, j'ai pas fait ça. Pardon. Si, j'étais passé par là. Ouais, ah oui, c'était là, d'accord. Alors, ok, attention. Donc en gros... Ah ouais, il est là. Mais attendez, tout à l'heure, je me suis amusé à me mettre devant, à le viser, ça a rien fait. On va tenter. Et les flammes de l'enfer s'abattent sur les chrysalides désinfectées qui ont connu la disgrâce du Seigneur. Et tu brûles. Wow, ça marche pas du tout. On m'a promis du rêve. Moi je pensais que ça allait être grandiose, qu'on allait vivre un grand moment. Il n'en a rien à foutre de mes flammes. Je vais me faire un petit medikit. Clairement, je suis trop déçu du lance-flamme. Je pensais qu'il allait sauter. Dites-vous, j'avais 52, je crois, je suis à 45. On m'a volé. On m'avait promis les flammes, le feu, le Johnny. Johnny serait pas content. J'avais préparé le petit discours des flammes. Bon, du coup, c'est pas le chemin qu'il faut suivre. Alors lequel qu'il faut suivre là? Ok. Ah ouais, il faut vraiment tout descendre. Fouah. Ça va être très très chaud. Oh. Attention. Il faut vraiment que je fasse gaffe là à leur vieille croûte. Dès que je vois une croûte, franchement, je la brûle. Je veux juste tester en fait, mais là, je suis trop déçu. J'ai peur de. Ouais, ça fait beaucoup de croûte là quand même. Je vais pas le faire. Oh! Ouais. Mais du coup, je vais où? Attends. Ah non, c'est un bug. Mais d'accord, hein, c'était un bug. Ok. Bah là, ça passe, vous pensez? Je le sens pas là. Je le sens pas du tout. Vous pensez, c'est. Ah ouais, là, mieux. Ouais, voilà, là, c'est mieux. Hihi!
Oh là, il y a un colosse. J'ai entendu un colosse. Vous avez entendu? Ah oui, on pouvait passer par là en fait. Moi, je me prends trop la tête. Le mec qui complique la life. Ah, je vais là-bas, mais il y a des bruits chelous. Hein. Démon aveugle, là-dedans. Oh, lui, j'ai le. Oh, la pustule. Oh, la pustule. Eh, hey, la pustule. Goûte un peu à ça, pour verre. Quoi? Bah attends, je vais pratiquement tout mis. Bon alors là, franchement, sert à quoi ce lance-flamme? C'est un nerf, c'est un pistolet à eau en fait. Je lui ai mis pratiquement tout le chargeur sur le gros colosse, la méga pustule de l'extrême. Ça lui a rien fait. Non, je vais pas mettre mon kit, j'ai la flemme. Alors, du coup, il y avait des claqueurs ici. Hein. Ils sont arrivés de là. Ouais, je suis déçu. C'est pas une bonne arme. À mon avis, c'est une très bonne arme contre les humains, mais là. Je déteste ça. Après, il faut dire qu'il est méga, costaud quand même. Il est méga costaud, le méga pustule. Ça fait beaucoup de méga. Ça passe là ou pas? Nya, nya, nya. En vrai, on n'est pas obligé de les tuer. Eh, lui, eh. Mon petit camarade. Je sais pas où. Ça, je crois que ça, c'est ta tête. Mais je vais juste le tester sur toi. Mais c'est abusé! Ah, voilà! Et il a eu le temps de me sauter dessus quand même, vous avez vu? Oh, par contre, là, je suis dans la sauce là, par contre. Oh, regardez, ils sont là. Eh hey, mais attends, je peux les griller d'ici. Alors, on sait pas sauter? Vous avez jamais fait de parcours dans votre vie? Tiens, goûte un peu à ça. Pour voir. Ça, vous avez vu, ça lui fait pas grand chose. Hein. Ouais, c'est pour le plaisir. Moi, c'est juste pour le plaisir que je fais ça. Mais j'ai déjà pratiquement plus de flammes, donc je suis grave déçu. Par contre, tu gênes en fait là. Tu fais quoi toi? Feu, point faible des colosses. Ouais, je pense que ça sera peut-être plus pour les colosses, mais. Ouais, je suis déçu quand même. Parce que en fait, le. Oh, je perds l'équipe de ouf là. Oh, j'ai failli tomber. Le problème, c'est que. Ça l'estompe même pas quoi. C'est-à-dire que tu le brûles, mais il vient quand même vers toi. Le rôdeur par exemple. Donc le rôdeur, ça sert à rien. La méga pustule, c'est bof. Et là, j'en ai clairement plus assez. Hein. C'est la fin d'une aventure. Là. Attends, mais je dois remonter, donc je suis obligé de passer par eux. C'est l'immeuble de l'extrême, là. Mais attends, je dois repasser par là-haut. Parce que si c'est ça, je suis dans la merde. Hein. Là, je me suis amusé un peu à les griller et tout. Je suis loin de les avoir tués. Alors, est-ce que je peux pas me faire une petite bombe? La petite pièce de l'Oregon. Alors je peux faire un silencieux, mais là honnêtement il va pas m'être trop utile. Je peux faire des balles incendiaires ou une bombe. Allez, bombe. Bomba. Un petit surin pour m'escape. Ok. Ok, ok. Je ne peux pas passer par là. Du coup je peux récupérer l'explosif. Putain, en plus on voit rien là-dedans. Là, il n'y a rien à sauter. Si je saute, je meurs. Mais je peux peut-être sauter là. Ouais, ça passe là. Bon, bah du coup, on va laisser les claqueurs en haut. Hein. Ça sert à rien, ils sont carrément trop nombreux. Je vais perdre toutes mes munitions. Enfin, chez Mang. Je sens trop qu'ils vont me rush d'un seul coup. Oh là, regardez. Les petites munitions. Hop, en 4. Ça, c'est pas mal. Parce que j'étais à sec. Ouais. Il paraît qu'il torture les gens. Ouais. C'est pas le moment de parler de ça. Ouais, okay. Tu peux le dire, ouais. Il torture les gens, ce saligo. On l'a vu, on l'a vu à l'œuvre. Déjà torturer quelqu'un? Lève. Ok, je craft. Je vais peut-être pouvoir crafter un petit truc là avec tout ce que je ramasse. Niveau santé, on est bon. Ouais, non, y'a rien, ok. Fausse alerte. Ok, bah c'est bon, je pense qu'on va sortir tranquillement.
C'est mou, c'est facile. Bon, on avance. Quoique. Non, on est toujours dans les sports. Est-ce que ça va? Ouais. On est toujours dans les sports. Ah, on va se renfoncer dedans. Oh, merde. J'ai connu mieux. Oh non, encore pire. C'est pire encore. On est dans le noir. Ouais, ok. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je prends? Ah, des munitions de lance-flammes. Oh, nice. Il y en a encore, là, non? Non, ça, c'est pour ouvrir la porte, ok. Bon, j'ai eu des munitions. Du scotch. Je vais recharger. Ok, je suis à 54. Donc, comme au début. Je pense qu'en fait, il faut que je le garde quand... si vraiment j'ai un gros rush. Mais je pense qu'on va l'avoir, là. Je pense qu'ils vont arriver par dizaines et tout. Ça va être un carnage. Let's go. Regardez ce qui m'attend. Ah ouais, sans bon. Ah ouais, là c'est un couloir. Oh. Ok, j'ai une idée. Les démons sont trop nombreux. Ok. Les démons sont pas trop nombreux. On va leur faire, là on va faire un carnage. On va tenter de se rapprocher d'eux. On va essayer d'en stack un maximum et on va tous les brûler. Allez, priez pour moi. Si ça arrive dans mon dos, je suis baisé. Ça va marcher, ça va marcher. Ah, il se sépare un peu là. Merde. Il faudrait que j'en retrouve une. Une petite brique. Un petit truc. Allez, un petit quelque chose. Ok, j'ai des surins. Je peux en éliminer quelques-uns au pire. Alright. Et toi, fais voir, pas la match. Reste derrière. Malheureux. Ok, ça de moi. 1, 2, 3, 4. J'en compte 4, 2 collés. Petit. Oh putain. Oh putain. Il y a la méga pustule derrière. Lui, je peux lui mettre un petit coup de surin. Ok. Et moi je les ai tous mis dans le couloir. Ça me donne une meilleure manœuvre. Ok. Hein. Oh. Oh. Il me voit là, vous croyez? Oh. Ça c'est un colosse. Donc là le colosse, il faut absolument que je le brûle. Mais j'aimerais bien qu'il y ait les autres à côté pour mettre un maximum de dégâts et économiser. On va foutre un carnage. Là on va être dans un Tarantino les potes. Je vais vous offrir un putain de Tarantino. J'en ai rien à faire. Qu'est-ce qu'il me voit là? Qu'est-ce qu'il me voit? Ok, 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 on va la jouer. On va la jouer fast. On va la jouer fast. Tranquille, toi, reste tranquille. On va essayer de les ramener. Oh, il pète les murs. Il a pété les murs. C'est rien, c'est rien, c'est rien. C'est rien. Oh, je vais le brûler lui, je te le dis. Ouah, cours, lève, cours. Cavale, cavale. Oh shit. Ça va partir. Ça va partir. Mourir, enfant du Satan. Oh putain, il est arrivé. Hein, quoi? Ok. On est bien, on est bien, on est bien. Il faut que je trouve une sortie par contre là. Ok, ici. On est bon. Je vais me les faire, vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Oh non, pas toi. Laisse-moi juste me heal vite fait. Nice. Ok. On est bon. Il faut les ramener absolument dans ce couloir. Ok, on est bon. Ils sont où? Ok, ils arrivent. Bah lui je pourrais le tuer en fait. Lui limite faut que je le tue. Bah il est mort, nice. Bye bye. Quoi? C'est la fin pour toi. Grève saloperie. Et voilà comment ça se passe chez McDonald's. Non mais oh, on les a tous dédingués. Bien sûr qu'on a réussi. Bien sûr qu'on l'a tué.
On y va. Ah là, le lanceur il a fait très très mal parce que j'ai réussi à en toucher à chaque fois 3-4 en même temps. Ça m'a fait économiser. Oui. Mais bordel, ça s'arrête jamais. À main nue, je vais me le faire, à main nue. La patate. Ah non, il y en a encore un autre, je crois. Non. Eh, hey, lève, si tu pouvais lui mettre une flèche, franchement. Voilà. Putain, lui, par contre, je m'y attendais pas. Je pensais qu'on avait tué tout le monde. Bon, là, je vous ai offert une petite séquence de carnage. Maintenant, j'aimerais bien récupérer quand même. Voilà, c'est bien. Je pense qu'il y a pas mal de loot. Non. Bien et sûr. Toi non. T'es pas hyper convaincant. J'ai rien, promis. C'était dur, c'était. Ok. Tu t'en es bien. Bah, franchement, je me suis fait arnaquer un petit peu, là. Non? Il y en a d'autres dans les murs, ok. Je vais faire gaffe, je vais faire gaffe. Donc là, on a la sortie. Mais en fait, moi, j'aurais voulu plus de munitions, quand même. Ils ont fait les radins, là. Attends, t'as vu tout ce que j'ai tué? Oh! Ils sont pas sérieux, là! Vous avez que ça à m'offrir? Bon, bah, au moins, on s'est fait kiffer avec le lance-flamme. On l'a rentabilisé. Ah, voilà, là, il y a des trucs. Voilà. Tu donnes. Tu donnes. Là, peut-être, non? On a déjà fait? Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Alors, faut que je fasse gaffe, par contre, dans les murs. Ouais, qu'il n'y en a pas un qui me ressaute dessus. Clairement. Il était pas mal cet endroit. Let's go. Let's go. Bon, finalement, on s'en sort plutôt bien. On a récupéré un petit peu de flamme. T'es en difficile, te plains pas. Ouais, j'avoue que je suis en difficile. C'est vrai que du coup, niveau maths, c'est. Mais avec AB, ça loupe pas mal aussi quand même. On y va. C'est vrai que je pense qu'en normal, là, j'aurais pris masse. Tu l'as dit. En gros, normalement, en difficile, il y a moins de matériaux, moins de munitions. Les ennemis sont plus coriaces, ils te détectent de plus loin, ils sont plus vifs. Et ils ont des patterns plus compliqués. Donc, franchement. Quoi, il y avait quelqu'un là? J'ai regardé justement un petit peu ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un genre de patch note où ils mettaient justement tous les niveaux de difficulté. Et je crois même qu'il y a un moyen de custom. Tu peux genre custom un petit peu, genre. Quoi? Ouais, elle cautionne ses pièces. S'en fout de ta collection. Genre, tu peux mettre par exemple les ennemis sont très coriaces, mais tu trouves facilement des munitions, tout ça. Mais bon, là tout est en difficile et franchement, c'est bien, je trouve. Ça ajoute du piment. Je croyais avoir été détecté, mais non, pas du tout. Oh, attends, oh là, oh, attends. Il y avait un trou, on pouvait voir un peu ce qu'il y avait derrière. Go faire en réaliste. Malade, where's my mind? Réaliste, par contre, peut-être pas en premier essai. Merci. Peut-être en deuxième, tu vois, tu refais une deuxième fois le jeu, mais en réaliste. Mais à mon avis, en réaliste. Pour un stream, je sais pas, ça serait long, je serais tellement long. En réaliste, là, le passage que je viens de faire en 10 minutes, je le fais en 25, je pense. Allez. On y arrive, l'hôpital. Allez, donnez-moi des bouteilles. Il est où? Ouais. Où ça? C'est le chemin qu'on aurait dû prendre. Pas d'infecté. Ah ouais. C'est cool, Lev. Je préfère qu'on raconte pas aux autres ce qui s'est passé. J'ai pas envie qu'il y a à s'inquiéter. T'inquiète, cool, Popiette. Ça va bien se passer. Je peux te poser une question? Vas-y. Ah, là-bas. Tu regrettes de t'écraser la tête? On n'est pas censé éprouver des regrets. Lève. J'aurais mieux fait de m'enfuir. Comme ça, j'aurais pas mêlé Yara à tout ça. Elle serait chez nous, en train de s'occuper de notre... Le pauvre, il est en dépression totale, là. C'est depressed. Depressed Lève. C'est notre mère. Puisse-t-elle vous guider. Encore une fois. On reprend donc les passerelles de Scars. On risque peut-être d'en croiser quelques-uns. Ça me dérange pas, je veux bien griller quelques Scars pour le plaisir. Je vais devenir un véritable Burning Man. Je suis un pyromane. Regardez, on y est. Ah, on y est, l'hôpital.
En réalité, tu dois en baver sévère, c'est clair. Franchement. Le fameux bateau. Quoi? Mais pourquoi? Parce qu'ils voudraient te faire la peau. Moi, il y a qu'au backgammon que je suis une menace pour eux. Le backgammon? Le backgammon? J'ai pas compris. Je vais entrer par devant, je chope le matos et je reviens. Toi, tu restes ici, ok? Ok. Ok, guys. Ah là, c'est cool, on va être tout seul, on va se la jouer sneaky beaky. Regardez, c'est comme c'est beau. Ah oui, il va falloir que je fasse gaffe du coup. Ok, il y a peut-être des mecs qui vont me spotter. Non. Voilà, ça va, pourquoi je vous. Ah si, il y a un mec. Merde. Mais attends. Mais normalement, c'est des wolves qui sont à l'hôpital, donc. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Eh, on est dans la même équipe. Je vais pas tuer des wolves quand même. Je suis une wolf. Bah voilà, c'est bien ce que je me disais. C'est moi. Bah ouais. Abby. Qu'est-ce Abby qu'ils font? C'est moi, Abby, les gars. Elle est seule. Ouvre le portail. Allez. Ah, je me disais, qu'est-ce qui se passe? On va quand même pas les buter. Tu penses que Lev s'est fait mort? Ah, j'ai pas regardé, merde. J'aurais salut, les gars. Ah bah, je t'ai venu à la nage? Non, je pense pas. Le bateau s'est renversé. J'ai besoin d'équipement médical. Ce serait chaud, hein, si c'est un boulot pour Isaac. On doit apporter tout ce matériel à Isaac. Qu'est-ce qu'il lui faut? Je peux pas vous le dire. C'est un truc en dehors de la base. On est en train de sortir et d'emballer tout le matos. Va voir si quelqu'un... Donc là, Ellie est pas encore arrivée à l'hôpital. Elle est dans le coin, Nora? Hier, elle m'a dit qu'elle devait venir ici. Elle est partie avec le dernier chargement, mais elle va revenir. D'accord. Merci. Comment right. Ils font pour tirer une nouvelle recrue? Peut-être qu'ils font un lavage de cerveau à tous ceux qui débarquent en ville. C'est parti, là on est en mode chill. Bon, ah oui. Hey, attendez. Si, vous rappelez de... Attends, ouais, il y a l'attente à droite. Ouais, vous rappelez de cet endroit? C'est là où justement je l'avais explosé. Vous rappelez ou pas comment je l'avais explosé? Il y avait des morceaux sur le plafond. C'était énorme. C'est quoi, c'est des infectés qui boulent comme ça? Des cadavres. Infectés. Vous n'avez pas encore fini? Non, on procède étage par étage. Ah, c'est marrant. Il reste du matos là-dedans. Ok, on est arrivé avant Ellie. Ah ouais, ici salut. J'avais tout pété. Abby. Ah. Ils t'ont transféré toi aussi? Ouais, c'est la joie. La fameuse femme à la PSP. J'ai besoin de matériel médical. Tu peux me dire où ils sont? Abby, je viens de parler à Isaac. Tu retournes à la base avancée. Exactement, dès ça. Regarde, allez là. Laisse-moi contacter Isaac. Tu lui parleras en personne. Tu pars avec le prochain chargement. Désolé. Qu'est-ce que tu fais? Elle a disparu depuis hier. Quoi? Donne-moi tes mains. Mais what? Ils sont sérieux? Mais d'un côté, ça m'a permis aussi de quitter l'hôpital et... Ah, quoique non, attendez. Ça donc, on va être pendant l'attaque d'Ellie. Arrête, tu vas te déboîter l'épaule. Laura. Eh ben, je pensais pas qu'un jour tu serais contre Isaac. Oh. T'as trouvé Owen à l'aquarium? J'ai parlé à Manny. Il me faut du matériel médical. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Syndrome des loges. Son bras est foutu. Tu vas pas le soigner, j'espère. Ce sera Mel. On n'a pas beaucoup de temps. Ah oui, la fameuse liste. On l'avait lue, on l'avait trouvée. Déjà été emballé et déplacé. Quoi? On n'a pas encore vidé les étages inférieurs. Il y aura ce qu'il me faut. Ah, ouais, je vais me démerder, quoi. Et les étages inférieurs, ça va être difficile, tu sais. C'est avec les claqueurs, je crois. C'est sous les sports. Je m'en sortirai. S'il t'attrape, tu ne m'as jamais vu, d'accord? Oui, bien sûr. Bon, suis-moi. Let's go. Ah, c'est énorme. Le syndrome des loges. Putain. Ouais,
Il a de la chance de sortir. Ah, j'ai récupéré mon petit lance-flamme quand même. Et comment va Mel? Tant mieux. Bien. Elle était vraiment mal après qu'Isaac lui a parlé. Isaac lui a parlé? Ça se trouve. Quand il a appris que vous aviez quitté. Ah, la je suis sûr que Ellie, elle est genre là-bas, Isaac, on arrive là. On a tous interrogé. Il a pas été tendre. Si ça se trouve, on s'est croisés. Quelqu'un a parlé? Non. Laura! Vous allez où tous les deux? On va chercher Abby, le bateau est prêt à partir. J'ai encore des cartons au troisième étage. Vous pourriez aller les chercher avant? Ça le bateau est presque plein. Allez, je peux pas passer toute la journée ici. D'accord. Merci. C'est bon. Let's go. T'inquiète, personne n'a rien dit. Allez. Hey, Isaac, c'est un petit enfoiré quand même. Mais là, du coup, moi, je suis dans la merde hein, par rapport au Wolf. Je vais être considéré comme déserteur. Il sait que je suis là. Il va. Une seconde. Il n'y a personne. Alors. Il va pas tarder à l'apprendre. Et du coup, Owen compte faire quoi après que Mel l'aura amputé? Ah, vous vous rappelez? Ce fameux passage? Là où je me faisais allumer le fion. Barbara. Il sait que c'est des conneries tout ça, non? J'aimerais pas être à la place de Mel. Ouais. Et vu la musique, il y a la tension qui commence à arriver. C'est là qu'on trouve les soins intensifs, la traumato et les blocs opératoires. Ok. C'est parfait. C'est pile par ici qu'elle avait fui. C'est pas pour rien qu'on a encore rien vidé ici. C'était le cœur de l'épidémie dans la ville. Ils y ont amené les premiers cas avant de comprendre ce qui se passait. Ah ça ouais. Un beau bordel là-dedans. Génial. T'inquiète, j'ai mon lance-flamme. Oh, on y va tout seul en plus. Que ma mort soit rapide. On se retrouve à la base. Bientôt, j'espère. Ah ouais, là on va être dans la sauce, les potes. Let's go! Bienvenue au centre d'oncologie. C'est ici que tout a commencé, avec les patients zéro. Putain, c'est ouf. On sera en période de Covid. Je sais pas si vous avez été à l'hôpital pendant le Covid, c'était... Enfin, bah, je crois que c'est encore le cas, c'est extrême. Ça fait peur. Moi, il y avait une bâche blanche et tout, là. Un peu, tu sais, comme dans les films, justement, d'épidémie. Enfin, c'était le cas, du coup, il y avait vraiment une épidémie, donc... C'est toujours ouf, quand même. Ok, à la recherche des médocs. Oh! Oh, un petit crâne. Attendez, il y a peut-être un passage, là. Non? Non. On voit rien! C'est quoi que j'ai entendu? Ah, c'est quand je marche sur les eaux? Regardez! Je fais un foot avec sa tête! Waouh! Et le joueur français qui tire. Et le ballon qui s'en va en direction des montants. Et c'est le but sous le bureau. Il n'y a plus de respect pour les morts. Putain. Ah. Bah eux au moins ils se sont pas transformés. Et ça c'est cool. Attention, petite note. Jake. Je ne suis pas sûr de pouvoir rentrer à la maison. Je donnerais n'importe quoi pour être avec Suzy et toi en ce moment. Je me cache avec quelques collègues. La porte est barricadée et ses saletés sont de l'autre côté. La situation était plus grave qu'on ne le pensait. Je doute que quelqu'un vienne nous sortir de là. Du moins, pas avant qu'il soit trop tard. J'espère que cette lettre finira par te parvenir et que Suzy et toi ne m'oublierez pas. Je vous aime plus que tout. Scott. Merde. Ah, il est mort, Scott. Ils savaient pas à quoi ils étaient confrontés. C'est moi. Scott avait des beaux petits dreads, j'ai l'impression. Et ouais, c'était le début de l'épidémie, ils savaient pas, eux, ils étaient au travail, les pauvres. Lorsqu'ils attendaient, c'était extrême. Quoi, je suis pas censé passer par là? C'est le syndrome du cordyceps, BTR. Ah non, c'est pas un syndrome, mais c'est un champignon, le cordyceps. Je m'attendais à pire. Et le syndrome des loges? C'est par rapport au bras de Yara. On va devoir l'amputer. Soins intensifs. Ah oh ouais, bah à mon avis, dans les soins intensifs, c'est là où il y a les vrais. Les purs infectés de l'extrême. Le traumato ou la chirurgie. Ah, ça marche pas.
Je saute du coup, hein. Ouais, ça passe. Wouhou! Oh, ah ouais, on arrive vraiment dans la zone de quarantaine. Nice. Ici, c'est quoi? La chapelle? Il y a une chapelle à l'hôpital? Mais moi, j'en profite pour prendre les boulons. Ok. Ah ouais, il y a une chapelle, ok, pour les pauvres. Pour ceux qui sont en fin de route. Viens à la petite prière. C'est glauque, hein, quand même, là. Ça va être difficile de rigoler. Oh. Oh là là, il me donne beaucoup de munitions. Vous savez ce que ça veut dire. Allez, une petite note bien dépressive. Sortez les mouchoirs. Ils vont vraiment y retourner aujourd'hui. À chaque fois, la moitié de l'escouade y reste. On a perdu le labo. Ils devraient laisser tomber. Ah, et désolé de faire passer des petits mots comme au collège, mais je veux pas que les soldats nous entendent. Je comprends pas ce qui se passe. Pourquoi ils nous font pas sortir? Ils n'arrêtent pas de dire qu'on procédera à l'évac quand ils seront sûrs que le bâtiment est sous contrôle. Est-ce qu'ils ont vu ou entendu ce qui se passe en bas? C'est du délire. C'est pas une question de contrôle. Je crois qu'ils veulent juste protéger les données des recherches. On doit sortir d'ici. Nos amis sont peut-être encore en vie. Tu as vu de quoi ces choses sont capables? Personne n'a pu survivre. Pas aussi longtemps. Désolé, mais ils sont morts. Qu'est-ce que tu proposes? Scott pourrait s'occuper des soldats. Il n'en peut plus. Faut lui en parler et trouver un moyen de sortir. On attend encore un jour pour voir ce que valent les nouveaux soldats. Un jour et on y va. Merci. Ok, donc visiblement... Dans le coin quand tout a commencé. Donc c'est vrai que les gens savaient pas du tout ce qui se passe avec les infectés. Ça devait être trop bizarre. Vous imaginez l'ambiance avec justement ces batteries de tests au loin, les soldats présents à l'hôpital. Et il y en a qui voulaient commencer à se barrer, quoi. Ils sentaient le vent tourner. Donc à mon avis, il y a dû avoir des rébellions dans l'hôpital et tout. Ça a dû être énorme. Le délire. Ah, c'est quoi? Encore une petite note. Il ne reste plus que moi. Toute mon escouade est morte. On a sécurisé presque toutes les portes, mais certaines étaient hors de portée en raison de la force incroyable des patients infectés. On n'avait pas prévu une telle résistance. Je les pensais malades et faibles. Je ne m'attendais pas à les voir massacrer mes hommes. J'ai été mordu aux bras et aux jambes. Je vais abattre encore quelques-uns de ces enfoirés, et quand je serai à court de balles, j'irai rejoindre mon unité. Si vous trouvez cette note, sachez que vous devrez envoyer plus d'hommes pour sécuriser la zone. Ceci dit, j'espère que vous serez assez malin pour faire sauter tout ce merdier au lieu d'essayer de le contrôler. Bonne chance, tas de cons. Scott, c'est le gars de l'autre lettre. Vous avez fait votre possible. Ouais. Ah ouais, ça a dû être un carnage, vous imaginez. Oh. Et, ah bah, le service traumato doit être par là. Vous savez, la série qu'il va y avoir sur The Last of Us, imaginez. Ce serait génial. C'est Day One. Le jour 1 de l'affection. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Le jour 1 de l'affection. Imaginez les premiers infectés dans les rues qui courent, les gens, l'armée. Oh. Il y a trop quelque chose à faire. Ce serait fou. Tas de cons. Tas de cons, nous dit Scott. Allez, c'est parti. Les amis, nous arrivons dans le cœur du Day One. Putain, elle veut vraiment la sauver, hein. Regardez, ils sont encore sur place. Là, ça fait beaucoup. Ah ouais, là, faut que je fasse gaffe, hein. Oh, s'il me saute dessus, cet enfoiré de merde. Ok. On arrive aux urgences. Ah ouais, les urgences. J'aime pas du tout cette ambiance en plus. Ah, forcément. Forcément. La loupiote qui lâche. Ça doit être blindé. Oh oh. Ouais, maintenant je fais plus du tout confiance à ça, ça me saoule. Ok, ça va. Ok, allez, les médocs. Trouve quelque chose. Ah, c'est vide. Il y a forcément quelque chose dans le coin. Eh non, Herbati, c'est le monde entier qui a été infecté. Vraiment, il y a le cordyceps en Europe, en Asie, tout ça. Dans le premier, ils te mettent une séquence justement de toutes les télévisions, de tous les journaux qui crient à la panique et tout. Tu vois un petit peu des images de la panique dans le monde. C'est vraiment impressionnant. Bon, pour l'instant, ça a l'air ok. Ah, ça, c'est un genre de claqueur qui se prépare. Regardez, vous avez vu? C'est comme ça en fait qu'ils se préparent. Généralement, ils restent dans leur vieille croûte et ils évoluent. Oh.
C'est le bruit de la porte ou c'est le bruit d'un monstre? C'est quoi ce bordel? Je crois que c'est le bruit d'un monstre. Non? Service traumato, mais il faut de l'électricité. Oh! Waouh! Le méga cordyceps. Regardez, on voit le champignon dépasser là du cerveau. Ouais, ça va être chaud. Hein. À mon avis, à un moment, ça va être mais le carnage. Allez, on va prendre un maximum de maths. Clairement, là, je vais avoir besoin de bombes. Et de surin. Ah, j'ai pas. Ouais, par contre, j'ai pas fait de medikit. Mais à mon avis, on va trouver de quoi faire. Ok, on va passer en chirurgie. Nickel. Ça devrait le faire en chirurgie. On peut trouver des petits trucs. Ok. Je t'ai entendu. Ok. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul en chirurgie. Là, c'est provision. Ok, c'est là qu'il faut aller. Je dois rétablir le courant. Ah putain, il faut mettre l'électricité. Il doit y avoir un générateur dans le coin. Oh, il est juste derrière la porte. Il est juste derrière la porte. Ok, tranquille. Ah, se laisse pas faire, hein. Fuck. Oh, y a tout le... oh, y en a beaucoup, hein. Heureusement que les portes sont fermées pour le moment, mais après, on va falloir ouvrir les portes, ça va être la galère, hein. Là, il m'attend, c'est sûr, il est là, regarde. Dégage. Ça dégage. Ah, il m'a fait peur, hein. Eh, ça va être galère, hein. Va falloir que je fasse gaffe quand j'ouvre les portes. Merde. Alors, petite note, attention. Docteur Kalia Higashi. Steven, je peux pas continuer. Ah bah c'est peut-être elle qu'on vient de tuer. Je peux pas continuer comme ça. Je sais que je suis juste censé faire les tests et saisir les données, mais je ne suis pas équipé pour gérer toute cette douleur. J'ai escorté des soldats en traumato. J'étais pas censé être là-bas. J'ai vu ce que deviennent les patients. Tous les adultes et enfants qui arrivent ici avec une morsure ou une égratignure vont devenir fous et on continue de leur mentir. J'ai demandé à partir, mais il m'a dit qu'il fallait que je continue mon travail. Ils m'ont sorti le couplet sur la sécurité nationale. Ils m'ont proposé un bureau pour que je puisse dormir un peu. Steven, tu dois me faire sortir d'ici, je vais craquer. Fouah, c'est putain. Chaud. Et j'ai l'impression qu'il rôde toujours dans le coin. C'est chaud, en plus on est en plein Covid, c'est... T'as besoin de jus, toi aussi. Ok, besoin d'électricité. Aïe, aïe, aïe. Quel câble là, il me faut là. Comment je dois faire? Eh, je suis pas plombier, je suis pas mécano, je suis pas électricien, donc arrêtez un petit peu toujours avec vos conneries de câbles. Bon, faut trouver un moyen d'avoir du jus. Il doit y avoir des câbles quelque part. Après, je suis pas allé dans cette partie là. Donc là, pareil, il faut du jus. Bon, là, il y a clairement quelque chose à faire. Là aussi. Arrivée des ambulances. Ok. Là, il n'y a rien. Là, j'ai pas été voir, je crois. Salle d'opération. Ok, il va falloir que je casse un petit carreau. Et puis après, on va voir aussi la sortie des ambulances. Oh, lui, je le sens mal. Regardez, on voit, vous voyez les petits champignons là qui dépassent? C'est ça le cordyceps. C'est ça qui les infecte. Je peux me faire un silencieux. Ça peut servir. Ah. Je peux monter. Ah bah, ils m'ont montré une petite astuce, j'avais pas vu. Donc je vais juste voir les ambulances quand même avant. À mon avis, c'est fermé, mais ouais, bah, il faut du jus aussi. Putain, tout est fermé du coup. Va falloir tout ouvrir. Coup, toi aussi. Bon, il me reste plus que les blocs opératoires. Alors qu'est-ce que j'ai loupé par là? Visiblement. Attends mais. Ouais, je suis venu là. Ah, j'avais pas vu ça. Oh, j'avais pas vu tout ça. Je suis venu là.
Ah ouais, ok. Comment ça se fait? J'ai pas vu ça. Ok. Ah oui, je suis pas... Putain, il était juste devant moi, quoi. Ok. Oh! Par contre, faut que je fasse gaffe, parce mais que là, il y a... été trop ici, au Mani. Ouais. Ouais, Mani. Si seulement Mani était là. Putain, on fait tout ça quand même pour Yara, là. C'est chaud. Alors, ici. Non, un petit atelier. Oula! Des munitions, des... Ouais, il va y avoir la bégaire, moi, je te le dis. Alors, qu'est-ce qu'on va améliorer? Le lance-flamme? Moi, j'ai amélioré bien... Mais je peux même pas l'améliorer, en fait, le lance-flamme. J'ai 155, donc là, je peux améliorer pas mal de trucs. Hein. Franchement, on va améliorer le fusil à pompe. On va améliorer les dégâts. Allez, on va prendre ça. Plus 30% de dégâts. Qu'est-ce qu'elle fout avec sa petite clé, là? Regarde ça. Hop là. Améliore un petit peu le canon. Ok, il m'en reste 95. Qu'est-ce qu'on va améliorer? Stabilité. La stabilité. Ouah, je sais pas, là j'ai tellement. J'avoue qu'à la base, il restait 2 heures pour la meuf. Là, ça fait un petit peu longtemps, quoi. Non, ça, j'ai pas envie parce que l'arc, il est facile en vrai. Il est top. Je vais améliorer la stabilité du snipe. Bah non, en vrai. Ah non, j'ai amélioré les dégâts. Voilà, on va améliorer les dégâts max. Les boulons! Des boulons en masse! Wow, la gueule du flingue! Wow, énorme, là, on voit tout. Ah ouais, stylé. C'est marrant ça. Ok, bah là, il n'y a plus de boulons. Hein. Là, c'est la crise des boulons. Ok. Il y avait un petit truc. Ah bah c'est là. Ça va être chaud. Hein. Mais après, je pense que ça va parce qu'on va ouvrir porte par porte et faudra éliminer tous les ennemis qu'il y a derrière, quoi. Ok. Ah ouais, je vais devoir activer. Non. Oui. Non, mais c'est bon. Easy. En plus, on a de la lumière. Que demande le peuple? Ok, bah parfait. Regarde le petit boulon là. Là, je vais pouvoir ouvrir maintenant. Oh. La galère. Oh, ok. Merde. Ok, il m'a pas vu, Waouh. Ça dégage. Ça dégage, les claqueurs. Waouh, c'est tellement flippant là avec les lumières rouges ici. Il est où l'autre? Il est mort? Ah, je l'ai tué avec les flammes, ok, nickel. Donc là les flammes, ça a bien marché. Ça devrait me faciliter la tâche. Bah voilà, comme ça on est tranquille. Putain de matos. Alors attention, on va visiter. Oh lui, je le sens, mais genre. J'en ai perdu mon casque. J'ai tiré à côté du coup. Ah, il a vraiment attendu la dernière seconde, sans foirer. J'aurais dû tirer avant. Gagne-le lui. Bon, lui il est tout fané, c'est bon. Putain, c'était sûr. J'aurais dû tirer avant. Bon, y'a rien là-dedans. C'est la déception. Putain. En fait, à un moment j'étais tellement proche que je me suis dit, bon, c'est bon. C'est bon, il va pas sauter. J'ai perdu une balle. T'imagines en vrai? Ah là là, je me suis fait bait. Ok, ah là. Ah non, ça c'est un medikit, ok. J'aimerais bien voir mon jumpscare en replay.
pense qu'il était pas mal. Voyons ce qu'il y a ici. Allez, c'est tout le temps vide. C'est pas vrai. Faites que je trouve une ambulance sur le parking. Et paf. Ah, il y a beaucoup d'améliorations là, je pense. Hop, on va regarder ça. Ouais. Ah, 208. Ouais, j'ai abusé là. Appuyez sur L3 en visant pour bloquer votre respiration et gagner en précision. Oh, ça c'est cool. Ok, confectionner des surins. Ouais. Mode écoute, la portée, c'est bien la portée, allez. Quoique, attends, je regarde avant ce qu'il y a. Kit amélioré. Ouais. Stabilité de l'arme. Grave. Mais attends, mais là, comment ça se fait que d'un seul coup je suis à 200 là? C'est du délire. Ok, j'améliore un petit peu tout. Hein. On va augmenter la portée du mode écoute. Et voilà, on est à sec. Oh, c'est bien là, on a amélioré plein de trucs. Bah, du coup, pour l'instant, il n'y a rien en fait. J'ai fait tout ça pour rien ou quoi? Attends, j'ai bien tout regardé, ouais. Ok, bah ici, il n'y avait rien. Allez, ça part. À mon avis, il va en avoir encore plein derrière. Le pire hôpital. Oh. Et lui par contre s'il me saute dessus. Ouais c'est ouf. Ok, donc il y avait quoi qui était fermé? C'était le trauma je crois, trauma center. Ah bah non, j'étais pas passé par là tout à l'heure. What, attends. Ah non, c'est la porte qui s'est ouverte. Non, je comprends pas. Où est-ce que je suis? Mais c'était pas ouvert ici tout à l'heure. Et pourtant la porte elle est cassée, regardez. Attends, non. Ah, c'est le truc de tout à l'heure là qui faisait du bruit chelou. Il est sorti, il a cassé la porte. Ouais, mais eux pareil. Hein. Oh non, vous allez pas me la refaire. Attends. Y a pas son œil qui bouge là? Attends, on va pas me la faire à hein, moi. C'est bon, ça passe ça. Ah non, regardez. Ouah, attendez, mais là on va tomber sur un truc. Mais là, on n'est pas prêt en fait. Ah ouais, regardez, il a encore cassé la porte là. Oh ouais, il va y avoir la bagarre. Là, on va tomber sur un méga boss. Y a quelqu'un? Ah ouais, là ouais. En plus vu la zone. Ça c'est une bonne zone pour se battre hein. Ok, faut qu'on trouve maintenant. On va tomber dessus, c'est sûr. Je suis dans la merde. Un petit combat de boss. J'espère juste que je vais pas encore avoir un jumpscare. Moi j'en ai marre des jumpscares. C'est toujours les mêmes. Ah là on est vraiment... en mode horreur là depuis tout à l'heure. Hein. On a fait beaucoup de zombies depuis tout à l'heure. Waouh. Regardez ça. Et forcément, vous allez voir ce qu'il y a. Tout va bien. Ah, je le sens très très mal. On n'oublie pas, c'est ici que tout a commencé. Donc à mon avis... Eh, parfait. Lève, on a gagné le jackpot. Ah, je le sens mal. Elle va relever la tête. Ah non, c'est bon. J'étais en mode, elle va regarder le sac et se lever d'un seul coup et boum. Boum. Eh ouais, on est parti. Oh, damn. Balance. Sors le lance-flamme. Sors le lance-flamme! Ah ouais, on en a jamais vu un comme ça. Ah voilà, à mon avis, il faut juste cavaler! On court! Y'a rien à faire! Ah ouais, il faut ouvrir les portes, bien sûr! À l'enfer! Allez, allez! Oh là 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 là, la flip extrême! J'espère qu'il va pas y en avoir sur la route! Ah,
Cavale! Cavale, cavale! On n'a pas le temps de looter, on n'a pas le temps de looter, c'est mort. Ouais, sauvé par le gong. Sauvé par le gong. Cours! Oh non, c'est fermé! Quoi? Allez, 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 allez! Mets-lui un coup de hache! Oh fuck! Tiens, dans ta gueule! Mais il y en a plusieurs têtes, je sais pas laquelle viser! Il y en a plusieurs! Moi je sors le lance-flamme. Laisse-moi sortir le lance-flamme! Hein, tu veux te battre? Hein, tu veux te battre? Tu vas connaître la fureur du dragon! Ça lui a rien fait! Ça lui a strictement rien fait! Waouh! Non, mais attends! Mais il m'a plié en deux comme une feuille à quatre! Attends, par contre, ça lui a vraiment rien fait! Oh bah moi je cours du coup. Ça m'a saoulé cette histoire. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a forcément quelque chose à faire. Est-ce que j'ai une chance face à lui? Ok, j'ai compris. Faut que je vise cette petite tête de merde là. Brûle. Ok. Brûle. Dans ta gueule! Wouhou! Bon, on s'en sort bien là! Ok! Ok, va falloir que je construise un max de bombes, je pense. Ça sera ma seule chance. Yaaaaaah! Oh, je l'ai déjà eu! Ah non, il évolue! Des rôdeurs. Oh non, il y a des rôdeurs qui sortent de lui, genre. Oh non. Vous buterez tous les deux. Ah ouais. Ok. Il faut que je crafte. Je peux pas craft. Oh, heureusement que j'ai pris l'amélioration pour craft plus vite. Aïe 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 aïe, coup dur. Ah, je recharge. Ça lui a rien fait. Oh, comment il me tue. Ça lui a rien fait. Là pourtant j'étais fusil à pompe. Balle incendiaire. Ok. Ah, tu veux jouer. Ok. A chaque fois, je vais venir ici pour craft. Ok. Je vais recharger mon arme. Allez, viens! Allez, viens! Et toi, je t'ai vu, petit enculé! Ils sont deux! Il faut pas que je lâche, faut pas que je lâche, parce que là, je... Wouh. Oh non, elle m'en sort pas à troisième. Oh, on est bon là, on est bon. Facile, facile, hein. J'ai très vite compris le système, hein. Il doit y avoir moyen. En vrai, je pense qu'au début, je lui ai mis le tarif. Les deux grenades sous mon lance-flamme, ça a été un carnage. Ça a bien aidé, je pense. C'est là où il a dû perdre masse vie, hein. Et l'autre, je l'ai défoncé, le 18, hein. C'est ce qu'il voulait. C'est un malade, lui, quoi. Et du coup, bah, je suis bien, là. Je suis bien, j'ai pas pris beaucoup de dégâts et tout. On va pouvoir récupérer pas mal de munitions. Non, on va prendre le phal. Nice.
Bon, il était imposant, mais au final, ça passe. Faut dire que j'étais bien stuffé quand même. On a bien fait de faire les améliorations de craft juste avant. Et merci le chat, et merci. Ouais, t'inquiète Moundé, j'attendais de finir cette séquence pour la VOD. Mais je crois qu'il y en a encore un qui... Ah, il y en a encore un qui run hein, quand même. Ah, il y en a encore un petit. Ah, il va essayer de m'avoir en traître. Ah bah... Il est encore vivant. Ah oui, il est encore vivant. Attends, j'espère qu'il me réserve pas une surprise. Putain, il est énorme là cet endroit quand même. Qu'est-ce qu'il fout? Ok. Il me donne la voix, c'est bien. C'est bien, il sert à quelque chose. C'est pas fini, je pense. C'est pas fini, les gars. Attendez, il y a encore lui, il faut voir ce qu'il... Oh non! On va devoir aller là-dedans avec lui dedans, là. Ok. Faut que je sois prêt à dégainer rapidement, quand même. Je vais enlever mon silencieux. Voilà, ça va le faire fuir, ça! Non, je vais quand même prendre... Je vais pas prendre de risque, je vais prendre la falle. Allez. Genre à la limite tu peux utiliser les... Oh, je l'entends. Je l'entends un peu là. Ah, putain de merde. Enfoiré. Ah, il a pas dit son dernier mot hein. Ah, moi non plus. Ah mais attends mais... Il est méga fort. Oh. Ah ouais, il est méga fort en vrai, c'est pas fini. C'est pas fini. On a créé victoire trop vite. Mon surat. Ah, il l'a esquivé. Viens là. Ah, j'ai plus grand chose en plus hein. Je vais me heal. Ok, c'est bon. Ah ouais, là ça heal de ouf. Ok, je vais l'avoir aux pompes. J'ai plus rien. Petit. Viens voir Cyril. Ouais, viens. Ah, il est méga costaud en fait. Fais gaffe, il va me balancer une vieille pustule. Ok, des balles. Ok, change d'arme. Putain, il est trop costaud. Mais what? Faut que je le brûle. Il faut que je le brûle. Ok. Faudrait que je puisse crafter là. Putain, je peux pas. Balle incendiaire, parfait. On va se faire un sur un. Ok, on a les balles de snipe aussi qui peuvent faire très mal. On va le finir en lance-flamme. Viens voir. Il est pas mort mais j'hallucine. Crève, merde. Crève. Voilà, c'est ça que je veux voir. Voilà, c'est bien. C'est tout. Oh, il était coriace hein. Tout ce que je lui ai mis là. Heureusement qu'il y avait des munitions un peu partout. On va se faire des petites balles. Bon. Une bonne chose de faite. Parfait, on est bon. Ah, c'était costaud là. Là c'était du costaud. On n'est pas mort. Parfait. On va sortir de là. Et merci le chat. Ok. On va voir ce qui se passe derrière. J'attends de sortir de cet endroit des enfers. Et c'est là il y en a un deuxième. Encore plus gros. À la reine d'Anteville. On est clairement sur du Umbrella Corporation. Personne ne croira jamais un truc pareil. Ouais, je pense que là, il y a un petit peu de lumière là-bas, non? Et voilà, c'est la fin. Et on va peut-être... on va peut-être arriver au moment de Ellie, ou je sais pas. Là, ça passe. Voilà. Ouh, la lumière, les amis. La lumière au bout du tunnel. On l'a fait. On a les médicaments. On s'en est bien sortis, là, quand même, à l'intérieur. Ah, bon.
On va arrêter ici pour la VOD YouTube, mais le live continue comme d'habitude. Alors ceux qui sont sur YouTube, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire. Je vais arrêter ici, on se retrouve pour le prochain épisode. À bientôt.